Ok, bon bah c'est bon, on t'écoute. Mais toi, mais attends, tu connais toutes les règles, hein? Moi, je pense que j'ai bien expliqué. J'ai dit, je te fais dans les grandes lignes, j'ai dit qu'on était sur un Pokémon, où les Pokémon étaient 100% aléatoires, que dans chaque région où on allait, on devait capturer le Pokémon qu'on croise. Le premier, ouais. Le premier Pokémon qu'on croise, on doit le capturer et l'intégrer à notre équipe. Et que si jamais on a un Pokémon qui décède, on doit le libérer, il n'y a pas le droit de le soigner. Ouais, c'est ça. Et après, t'as expliqué comment ça marche, nos duels? Non, je t'attendais, okay. Je préférais t'attendre. Ok, c'est très simple les gars, pour que ça soit équilibré et qu'on prenne plaisir, on fasse en sorte que nos duels soient équilibrés. Donc en gros, ce qu'on a mis en place, c'est un système de moyenne. Donc par exemple, je vais vous donner le concept du premier duel qu'on va faire. La moyenne, ça sera 10. Ça veut dire que nos Pokémon, en moyenne, on aura 2 Pokémon au début. Donc il y a la règle du nombre de Pokémon, et la moyenne, elle a 10. Donc ça veut dire qu'on peut faire uniquement 10-10, 11-9, 12-8. Et en fait, on met également un cap maximal pour qu'on puisse pas faire 19 et 1. Parce que 19 et 1, la moyenne c'est 10, mais c'est pas drôle, tu vois. Donc en gros, le cap il est à 13 au début. Donc en gros, les seules possibilités qu'on a, c'est genre 10-10, 11-9, 12-8 ou 13-7. Ensuite, on va se raffronter avec l'Inca. Donc à la suite de ce duel online avec l'Inca, celui qui perd le Pokémon de son choix. Donc en gros, sur les deux, il y en a un qui. Ah oui, vous avez oublié qu'il y avait ça. Ah oui, non, mais c'est horrible hein, les Pokémon, les duels online. On va se chier dessus. Attends, je comprends rien. En fait, c'est juste parce qu'il vous a perdu parce qu'il y a plein de chiffres, mais en gros, c'est simple. C'est si jamais on se dit le premier duel qu'on doit faire avec Croco, on a le droit à 2 Pokémon et le niveau cumulé de nos 2 Pokémon, ça doit être niveau 20, ok? Donc ça veut dire que j'ai le droit d'avoir un Pokémon niveau 13, un Pokémon niveau 7 pour notre duel. Et point barre, en gros, c'est tout. Voilà, faut pas chercher plus loin. Moi, je saurai les règles. Vous démerdez avec ça. Ouais, mais là, il y a des viewers, ils vont dire, bah, prends un Pokémon level 19 et prends un Pokémon. Eh ben ça, il n'y a pas le droit. Il y a un cap et le cap, il est à 13. Voilà, vous avez compris. C'est bon, voilà. Donc là, premier truc, c'est niveau 20, et on s'affronte quand? Avant ou après la première arène? Avant? Peu importe, on s'affronte quand on est prêt, on s'affronte à partir du moment où on peut plus avancer dans l'aventure, sinon on XP trop, et qu'on dépasse le cap, tu vois. Donc, dès qu'on est au cap, on arrête de jouer, ouais, on vient sur Discord et on dit à l'autre, hop, c'est l'heure que je te mette ta branlée. Mais les viewers, ils vont nous dire un peu, ils vont dire, Croco, il va être prêt dans X temps, donc tu peux dépêcher d'un peu d'XP, ou inversement, tu peux aller faire un peu plus d'histoire, si tu vois ce que je veux dire. Mais tu sais que je suis hype. Premier degré, genre ça va vraiment être cool, je pense. Donc voilà, donc en gros ça, et par exemple le deuxième duel, ça sera, la moyenne elle sera à 15, et le cap il sera à 18, ça veut dire qu'on pourra faire genre 15-15-15, ça sera 3 Pokémon, donc 15-15-15, 14-15-16, 13-15-17, 14-14-17, enfin peu importe. Faut que la moyenne elle soit à 15 entre nos 3 Pokémon, et on n'a pas le droit de dépasser 18, donc on peut pas faire genre 43-1-1, tu vois, c'est trop nul à chier, tu vois, parce que ça serait vraiment pas drôle de jouer. Ouais. Donc on doit respecter cette règle-là. Et l'Inca, je te le dis pour toi, parce que là, les viewers, ils ont l'air déjà d'être potentiellement un peu perdus. Il y a un viewer, il m'a fait penser, il m'a dit, fais gaffe, parce qu'on peut très bien faire 18-18 et 9. Et je suis en mode, c'est vrai que 18-19, ça marche et ça pue un peu la merde. Parce qu'en gros, il y a littéralement un des Pokémon... Ouais, il y en a un, c'est la poubelle, quoi, en gros. Ouais, du coup, ce que je propose, c'est qu'on fasse une sorte entre nous... On essaye d'équilibrer, on se dit juste d'un commun accord qu'on cherche à peu près un équilibre. Exactement. Pas trop d'écart entre le plus fort et le plus faible, c'est tout ça, la règle. Vas-y, ça me va, moi. C'est tout. Ça me va, on fait ça, on essaye d'équilibrer nos teams et de pas privilégier un Pokémon. Qu'il n'y ait pas trop d'écart entre le plus fort et le plus faible. Et non, il y a un mec qui me demande, c'est quand même celui qui perd qui choisit le Pokémon qui dégage. C'est pas énervé en mode... Ah ouais, sinon c'est trop broken, t'as un seul beau Pokémon, ouais. Tu te dis bah si tu jettes ton truc incroyable, non c'est... Après, ça peut être une strat d'aller en duel avec que des Pokémon qu'on aime pas, comme ça on s'en fout de le perdre. Non, en vrai c'est plus marrant si déjà on doit choisir de qui on doit se séparer et tout, c'est bien. Oui, non, je rigole. Et attends, j'avais une question, Croco, et ça peut-être que d'autres se la posent. Dans le cas de figure où pendant que je vais XP, mon Roucoule, et il y a mon cocon fort de merde qui meurt. Donc je le jette à la poubelle. Est-ce que je peux rattraper le prochain Pokémon que je vois, ou c'est mort, j'ai qu'un Pokémon pour notre duel? Ah ouais, merde, non, c'est mort. Mais en fait le truc c'est que... Non, c'est mort, en fait s'il meurt tu peux plus jamais utiliser, tu peux pas recapturer le même Pokémon. Salut Cap, salut Rive. Donc il y a un monde où on fait un affrontement, et en fait, du coup, l'affrontement niveau 20, bah moi il me reste plus qu'un Pokémon, donc mon Roucoups par exemple, mon Roucoule il est niveau 20. Non, parce que en vrai ça serait vraiment très bizarre, parce que par exemple notre premier duel... En fait, il y a quand même pas mal de zones, tu vois. Genre, dans Pokémon Rossa, il va y avoir une zone en bas, une zone en haut, une zone à gauche. Ça veut dire que déjà, en plus du starter, t'as déjà 3 Pokémon aléatoires. Donc de base, t'as quand même une base de 4 Pokémon où... Il y a plus de chances que t'aies, comment dire, trop de Pokémon et que tu dois en choisir 2 que l'inverse. Ça va pas arriver, le fait que t'en aies qu'un de toute l'aventure, tu vois. T'es sûr ? Mais il y a beaucoup de zones quand même dans le jeu. Hein. Faut pas croire non plus que t'as pas... Donc c'est vraiment chaque zone. Genre, comment tu définis une zone ? C'est pas une route, on est d'accord ? Si, c'est une route. Ah, donc à chaque route, on capture le premier Pokémon qu'on croise? Chaque nouvelle route, ouais, tu sais quand tu changes de lieu, il y a écrit en haut à gauche... Ouais, route 214, ville, route 212, route... Exactement, voilà, dès que c'est une nouvelle route et que t'as pas pris dans celle-là, tu as le droit de capturer.
Ok. Et ouais, il y a un viewer qui le dit, c'est très intéressant. Route et même ville avec la canne à pêche, ça marche. Effectivement. Donc ça veut dire qu'au sein d'une même ville, s'il y a un petit lac et qu'on a une canne à pêche de base, on peut aller choper un petit truc, tu vois. Ok, ok. Donc tu vois, on en aura beaucoup. Sache que t'auras des Pokémon dans ta boîte. C'est juste que ça sera de la merde et tu voudras absolument pas jouer avec, tu vois. Et que peut-être que tu seras confronté à obligé de les prendre, mais de okay. base, t'auras plus de Pokémon que tu le penses. Ok, ok, je vois. Et donc on se dira, nous, à chaque duel, voilà, prochain duel, 2 Pokémon, prochain duel, 3 Pokémon, ouais, prochain ça. Duel. Bah ouais, c'est ça, exactement. Bah okay. on a déjà les deux premiers, mais ouais. Je cherche comment on valide une squad, j'en ai aucune putain d'idée, mec. Il y avait un bouton, j'ai vu le bouton... Twitch, après tu vas dans ton tableau de bord créateur et je crois que t'as juste un truc, accepter la squad de base, genre. Bah je suis, ouais, j'ai cliqué sur... T'as géré le stream en haut, là, maintenant. Ah, c'est là, ouais, c'est ça. Gérer le stream et après t'as un truc, accepter la squad. En bas... Sur le tableau de bord, on est d'accord. Ouais, sur le tableau de bord. Action rapide et tu peux faire le truc. C'est pas... Ah, action rapide, j'y suis, ouais. Ouais, voilà. Okay. Et tout en bas, t'as un truc avec un petit bonhomme ou deux petits bonhommes. Non, bah c'est ça, c'est le problème, c'est que j'ai pas cette merde là. Profite, il faut que tu le trouves parce que ça va être supprimé de Twitter, de Twitch, j'ai vu hier sur Twitter. Ah bon ? Ouais, ils enlèvent les squads. Streamer ensemble, c'est peut-être ça ? Non, non, ah, non. Ah oui, mais il fallait que je la rajoute. Non, si, je crois que si, mais il fallait que je la rajoute, je pense. Non ? Mais je vois crois le petit bonhomme avec écrit plus. Collaborer, t'as... c'est mieux. T'as pas un modo pour m'envoyer une invite, sinon je l'accepte moi, comme ça, ça règle le problème. Parce que je suis dessus. C'est vraiment tableau de bord, tu cliques en haut après. Ok, ouais. Tableau de bord, gérer le stream. Et en bas, t'as des trucs action rapide, il y a plein de logos et t'en as un avec ouais. trois petits bonhommes. Trois petits bonhommes ? Ouais. Ok, attends, je. Ah, c'est bon, c'est bon. Merci. De rien. Il y en a un autre qui s'appelle Un petit bonhomme et ça s'appelle Streamer ensemble, c'est... je sais pas ce que c'était. Bah, je sais pas non plus, j'en ai aucune idée de ce que c'est. Croco, dis-moi qu'on peut y aller, s'il te plaît. Bah, je sais pas, est-ce que j'ai validé ? Validé ? Bah il y a écrit de lancer un stream squad. Je pense que c'est bon, je pense que ça marche. Oui c'est bon Nightbot il a partagé okay. notre squad donc c'est bon. Ok bah c'est parti hein. Est-ce ah ok c'est le remplacement du squad streamé ensemble. Ok. Mais ça fait ça, quoi un peu perdu. Ça change je quoi pas, j'ai pas compris ce que c'était hein, je t'avoue. Croco on peut y aller là. On peut y aller, on se donne rendez-vous. Les viewers, donnez un peu la température de l'autre en mode il est bientôt prêt, tout ça, tout ça. Alors voilà, attends. Au début, on chill, hein, mais. Premier truc, on se dit. Niveau 20. On se dit niveau 20. Deux Pokémon. Ouais, deux Pokémon. Ok, ok. C'est bon. Ouais, ouais, c'est bon. On, okay. on reste pas en vocal. Non, non, on se voit que pendant les duels. Ok. Ça marche ? Ça marche. Allez, à tout à l'heure, bonne chance. À toute poulet. Je vais exploser. Et bonne chance pour je vais te starters, je vais te découper, tu vas avoir que tes yeux pour pleurer. J'espère que t'auras bien trois starters de merde, voilà. Sale con. Ah, sale merde. Ok chat. Est-ce qu'il y a du son dans le jeu ? Chat ! Ok, faut juste que je rappelle comment ça fonctionne. Papa, t'as acheté une horloge. Bon, déjà, je vais voir l'horloge. Alors attends, fais voir mon horloge. Elle est arrêtée. Autant la mettre à l'heure. Vous avez réglé l'horloge, il est 17h34. Bah ça, c'est une super nouvelle, ça. Linka, ta nouvelle chambre te plaît, tout est rangé. Mais il est même pas 17h34, il est complètement con, mon bonhomme. T'as vérifié tes affaires sur le bureau ? Et ouais, j'ai vérifié mes affaires sur le bureau, maman. Allez, je me casse. Je me casse, à moi l'aventure. Linka, viens vite. Regarde, c'est l'arène de Clémentiville. Papa va peut-être passer à la télé. Journaliste. Et voilà qui clôt ce reportage passionnant en direct de l'arène de Clémentiville. Et maintenant, nous allons vous parler du prochain spectacle d'astronomie. Oh, c'est déjà fini. Ils ont sûrement interviewé papa, mais on l'a raté. Dommage. Pitié qu'elle ferme sa gueule. C'est un ami de papa, tu devrais aller le saluer. Allez, d'accord, je me casse. Hop là, voilà. Maison de droite, parce que je sais, j'avais fait le test la première fois, pour voir si tout marchait. Je vais voir comment ? La personne que je déteste, là, mon rival. Votez chat, c'est la bonne cette fois. Attention, ça va arriver très très vite. Hein. Mon premier Pokémon arrive très très vite, chat. Je rappelle, je veux pas savoir le premier Pokémon de Croco. C'est pas trop fort la musique de fond, en fait, chat. Croco se moque de toi, je le dis. Le gars est professionnel de Pokémon, il m'a invité juste pour essayer de m'humilier, je vais lui montrer qui est qui, en n'ayant jamais joué un seul Pokémon de ma vie. Qui es-tu ? Tu
Tu t'appelles Linka? Mais t'es le nouveau voisin. Je m'appelle Flora, enchanté de te rencontrer. Je vais te péter la gueule, Flora, toi et tous tes Pokémon de merde. Mon rêve, c'est de me lier d'amitié avec tous les Pokémon du monde. Oh non, elle est trop kiki en vrai. Mon papa, le professeur Seiko, m'a parlé de toi, Linka. J'espère qu'on pourra devenir amis. Ah bon, bah d'accord. Ok, je savais pas qu'on était amis. Je savais pas qu'on était amis dans les Pokémon comme ça. Je pensais qu'on était rivaux. On vient pas de se rencontrer, mais... Oh, elle est encrochée en moi, en fait. Mais c'est ma go. Quelle tête détournée. J'ai promis d'aller parler à papa. D'aller aider papa à attraper les Pokémon sauvages. A plus tard, Linka. Je vais l'aider, moi aussi. Je vais aider. Attends, Flora! Elle est amoureuse de toi, je te jure. Oh! C'est vrai, les gars. C'est vrai, vous croyez. Attendez, attendez, je vais vite la voir. J'ai entendu des cris dans cette direction. Oh non, quelque chose doit se passer de terrible, les mecs. À l'aide, à l'aide! OMG. Oh, il est poursuivi par un Pokémon terrifiant. Monsieur, ça va? Toi là-bas, je t'en supplie, dans mon sac de Pokémon! Les gars, on va voir la réponse! Messieurs, dames! Qu'est-ce qu'on a comme Pokémon? Les gars, moi je vous le dis. Let's go, le braquage. Pourquoi? C'était quoi les choix de Pokémon? Attendez, c'était quoi les choix de Pokémon, chat? Ok, bon chat, j'ai besoin de vos avis de pro là. Il y a recul dans les starters, j'en étais sûr. Merci Coco, merci beaucoup pour le sub, c'est gentil. Les gars, j'ai besoin de votre avis. Moi, spontanément, j'irai vers Petitard. Ok? Mais vous êtes beaucoup à dire Cracnoix. Vous pensez vraiment que c'est mieux? J'aurais fait Petitard aussi. En fait, moi, je préfère Petitard de base. Mais je connais pas Cracnoix. Je vous fais confiance, les gars. Je prends Cracnoix. Les gars, j'espère que vous me trollez pas. La vie de ma mère, Cracnoix, s'il te plaît. Sois une légende. Sois une légende, Cracnoix. Cracnoix évolue trop tard. Il évolue tard, par contre. Mais bande de chiens! Bande de chiens! Attends, et là, si je fais ça, du coup... Est-ce que c'est bien pour vous, chat, comme ça? Ou pas? Nickel, parfait. Attends, juste, il faut que je la rogne, la scène, parce que vraiment, c'est trop de la merde. La vache. Alors, attendez, faites-moi confiance, chat. Oh, putain, me faites pas confiance, je fais n'importe quoi. En fait, c'est trop mal foutu, je peux pas voir ce que je fais. Oh, non, non, non! Attendez, ça arrive, ça revient, ça revient. J'ai fait de la merde. Mais pourquoi je peux pas couper les côtés là? Il est con ce truc. Bon, vas-y, on s'en bat les steaks, les gars. Vous avez les bandes noires pour les combats et voilà. Vous en foutez ou pas? Oui, ok, on s'en branle les bandes noires. Ok, ça me va. Je fais quoi? Je fais comme ça? C'est bon, on va pas chipoter. Ok, vas-y, on chipote pas. Alors attends, il a quoi comme attaque, mon Pokémon? Coup de boue, attaque sol, patience, morsure, feinte. On est d'accord, ma seule attaque qui fait des dégâts là, c'est morsure, chat. Ouais, je sais, Noxy, mais le truc, c'est que pour redimensionner, je dois aller chercher une fenêtre qui sort de l'écran. C'est pour ça que je peux pas voir. Feinte aussi. Ok, feinte, ça tape. Ça, je vais le mettre là-haut, ça sera beaucoup mieux. Je suis désolé les gars, mais il faut que le setup soit bien. Au moins vous subissez pas tous les,
vous subissez pas tous les pendant tout le live, quoi. Du coup, morsure ou feinte, c'est quoi qui tape le plus fort des deux? Vous me dites. Il faut que je... De toute façon, il faut que je découvre en vrai, hein. Allez, morsure. Prends-toi ça dans la gueule, Mediena. Je vais tout tester, on verra. Pouf. Ok, c'est bon, je sens que j'ai trouvé le Pokémon parfait. Feinte. Vas-y, je teste un peu tout. Imaginez, je vais perdre le premier combat. Faut que tu le captures du coup. On peut pas capturer au début, de toute façon, on n'a pas de Pokéball. Mais dès qu'on a un premier Pokéball, premier endroit où on va, on doit capturer le Pokémon qu'on croise. Obligatoire. Patience et coup de boue, ça tape. Je me fais déchirer, les mecs. Mais mec, mais j'aurais dû faire ça depuis le début. Je l'ai déchiré. Ouf, j'ai étudié les Pokémon sauvages dans les hautes herbes. Quand celui-là m'a sauté dessus, tu m'as sauvé, merci beaucoup. De rien, mec. Mais attends, je te connais, t'es l'incal. Le fils de Norman. Oh non, non, non. Non, c'est pas moi, c'est Croco, la relève de Norman, monsieur. C'est pas moi. Comme t'as grandi. C'est pas le meilleur endroit au monde pour discuter, on serait mieux dans mon laboratoire. Oh, aïe, 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 aïe. Oh, la vie de merde que j'ai. Oh, j'aime pas. J'aime pas ce que le jeu me propose, là. Comment ça, je suis le fils de Norman? Le suis pas dans son labo? C'est un pédo, peut-être. Mais non, moi, je suis le fils de Norman, lui, il a rien à voir avec qui que ce soit. Toute ressemblance avec un personnage existant, une personne existant réellement serait fortuite. Il m'a aussi dit que tu avais pas encore ton propre Pokémon. T'as pourtant fait preuve d'un aplomb incroyable pendant le combat de tout à l'heure. Tu tiens ton père, c'est évident. Le même son en coule dans tes veines. Non, non, non. Pour te remercier d'avoir voulu à mon secours, j'aimerais t'offrir le Pokémon avec lequel t'as combattu. Arco. Pourquoi Arco? Mais il s'appelait pas Arco il y a 2 ans. Ah mais oui, c'est parce que c'est le type... Ils croient que c'est le type en gros que j'ai choisi. C'est pour ça. Arco, ben oui, parce que c'est en aléatoire. Là pour le jeu, j'ai pris le Pokémon qui était à gauche, tu vois. J'aurais préféré avoir Arco, mais bref. Si tu donnes un surnom à ton Arco. Oui. Comment tu veux l'appeler? Comment il s'appelle mon Pokémon, les gars? Cracnois. Ben, je vais l'appeler Cracnois parce que sinon je vais être perdu. Oh, énorme van. Crac, couille. Oh, c'est trop drôle. Elle est bonne, celle-ci. Oh, énorme. Je suis sûr que tu feras un excellent dresseur avec un peu d'entraînement et d'expérience. Flora est juste partie étudier les Pokémon sur la route 103. Tu pourrais te joindre à elle si ça te dit. Ouais. Ok, super. Je suis sûr que ça lui ferait plaisir. Demande-lui de t'apprendre le B.A.B.A. de la vie de dresseur. Au fait, si tu t'égares en chemin, utilise ton Poké Multi Navi pour consulter la Navi Map. Pour avoir l'endroit où tu te trouves et la route 103 où se trouve Flora. Si ton équipe fatigue, rentre chez toi te reposer. Oui, monsieur. Chef, oui, chef. On peut courir ou pas? Allez, viens, cracouille. On va faire le tour du monde. Je sais plus comment on fait pour avoir une Pokéball, les gars. Genre là, j'en ai une ou pas? T'es, j'ouvre mon inventaire vite fait. Vide. Oh merde. Tout est vide. Top. Petit bon délire en tout cas cette histoire. Donc là, si j'avais une Pokéball, pour vous faire l'exemple, je devrais capturer le premier Pokémon que je croise. Vous voulez qu'on teste pour voir ce que j'ai comme premier Pokémon ou pas? Ok, ça va, pas de regret. Pas de regret, j'aurais été anéanti. Là, ça me sortait un Mew alors que j'avais pas de Pokéball, j'aurais été détruit, les mecs. Cracouille! Attaque morsure! Oh non! 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 Il m'a mis de camisole, je peux plus bouger! Je peux plus bouger, c'est horrible! Utilise morsure, tiens, voilà! Voilà, je sens ta merde! Oh! Attends, je lui mets un coup de boue pour voir si elle finit là. Pff, il me tape à deux, il est ridicule. Oh merde, moi aussi je suis ridicule. Fais chier.
T'es, au moins je saurais, les, je saurais quoi faire. Allez, je lui mets la bite. Vas-y, cragouille. Voilà, suce chez l'hypote. IKO, hop là. Eh ouais, mon con. Allez, on se casse d'ici. Niveau 6. Les gars, je suis trop fort. Il connaît son tableau des types. Je sais que la plante, ça perd contre l'eau. Non, contre le feu, merde, j'ai fait... j'ai floppé la première seconde. Je sais que la plante, ça perd contre le feu. Le feu, ça perd contre l'eau. L'eau, ça perd contre la plante. Et que le combat, ça perd contre le psy. Les gars, vous me direz, ok, je, me... je sais pas en vrai, je sais pas. FFFF. Vous me direz, les mecs. Tu viens de commencer ta carrière de dresser. Je l'avais deviné. Compte sur le gentil vendeur que je suis pour t'expliquer la vie. Bah merci, mec. Commençons par le commencement. Ceci est une boutique Pokémon reconnaissable à son toit bleu. On y vend toutes sortes de choses, y compris des Pokéballs pour attraper les Pokémon. Ah, et tiens, prends ça, cadeau de la maison. Potion. Donne-moi des Pokéballs, pitié. Bon, j'ai rien, il m'a juste donné une potion. J'ai mal au dos. Ça, c'est un son de Pokémon pour soigner tes merdeux. Ok, top. Un vendeur? Peut-être un pédo, Arnaud? Capu, je crois que tu psychotes, vraiment. Tout le monde est pas pédo dans le jeu, genre. Vraiment, je te jure, je pense vraiment que tu psychotes de fou. Pour moi, tu psychotes de malade, là. Comment on fait pour avoir une Pokéball, les gars? J'ai une Pokéball, peut-être que ça m'a pas marqué et qu'en fait, j'ai une Pokéball. Cracouille, Pokémon de type terre. C'est un Pokémon de type quoi, Cracouille, au fait, les gars? Il est type combat, type terre, type plante? Type naze, allez vous faire foutre, type sol, ok. Ok, et type sol, je suis fort contre quoi? Type sol, je suis fort contre quoi, chat? Pitié, vends-moi une Pokéball. Que puis-je faire pour vous? Acheter. J'ai pas de Pokéball. Il en vend pas. Le chien, mais il y en a derrière lui, pourquoi il me les vend pas? Fort contre électrique, faible sur eau et glace. Ok, merci. Types sont aléatoires aussi, non? Non, en fait, c'est juste que les types qui étaient affichés, c'était pas les vrais types. Mec, donne-moi une Pokéball, pitié. Ah, attends, pas par là! Je découvre les empreintes de Pokémon rares. Attends que je finisse de les reproduire. Ok, on a trouvé le psychopathe. Qui fait baiser tout ce qui bouge. Toi, t'as pas une Pokéball? Que je souviens de ma partie. Non, pas les couilles. Merci, madame Ticroco, pour le prime. Merci beaucoup. C'est gentil, Rachel. Je sais pas où aller, les gars. Je veux juste une Pokéball pour attraper des trucs. Est-ce que le mec, il m'a dit, va voir Flora pour les Pokéballs? Elle est route 103. Mais je suis route 103. Elle est par là. Flora! Oh non, pas un bon Pokémon. Pitié. Une merde. Pérégrin. Cracouille, go! Fais ce qui t'a été demandé. Ah, on m'a demandé un truc. On m'a demandé un truc? Voilà. Prends, déguste un peu. Prends la bite. Yoshi, je vois pas comment Arnaud gagne, sérieux. Pourquoi? Pourquoi, Kabu? Parce que je suis trop un noob. Mais mec, je vais apprendre, hein, je vais être fort. Je crois en lui, merci Yoshi. Merci d'être toi. Bon, elle est où, Flora? Fiora? Oh, mais c'est elle. Flora? Flora, pitié, donne-moi des Pokéballs. Alors, sur la route 103, on rencontre ce Pokémon et celui-là. Oh, Lanka! Je vois, mon père t'a donné un Pokémon. Et si on fêtait ça avec un combat, je vais te montrer ce que c'est d'être un dresseur. Je vais la dépouiller, les gars. Hop là, regarde bien Florent. Qu'est-ce qu'elle me sort? Et là, Mewtwo. Sac de nœuds.
Sac de nœuds, c'est type plante, donc je vais être, on va être nul l'un contre l'autre. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît. Bon, bah, c'est bon, allez, j'ai gagné. J'ai gagné d'avance, je spam. Sac de nœuds, c'est un Pokémon que je kiffe. J'aime bien le design qu'il a. Mais regardez comment il est nul. Pourquoi vous m'avez conseillé ce Pokémon? Putain, il est nul. Il est pourri, mon truc. Pourquoi j'ai pris trop couille? J'aurais dû prendre Tétarte. C'est un de mes Pokémon préférés. En plus, je suis trop con. Si t'étais un Pokémon, tu serais Carno. Mew. Je suis trop mignon, je vole. Tu veux faire quoi de plus? Oh non, je suis au Schlof. La fin de mon Pokémon. Moi, t'as de morve, mec. Bizarre, bizarre qu'il y a bu comme choix. Les gars, mon Pokémon ne veut plus se réveiller, c'est fini. Je suis paralysé à vie. Il absorbe ma vie. Mon énergie vitale. Coup de boue. En vrai, Rookool, c'était un bon starter, hein. Parce que moi, honnêtement, je trouve que comment? Je trouve que Roucarnage, c'est sous-côté. Voilà, je vous le dis. Non, lui, il est couille, je fais tout ce que je peux. Rookool de légende comme Pokémon. Vraiment, c'est vrai. Les évolutions sont random. Non, les évolutions sont pas random. T'as l'évolution de ton Pokémon. Allez, s'il te plaît, finis-le, qu'on n'en parle plus, là. On n'en parle plus. Cracouille, dépêche-toi. Dommage que je puisse pas se capturer, j'aurais eu sac de couilles dans mon équipe. Oh, les gars, énorme, imaginez la vanne, tous les Pokémon que je capture, j'ai mes couilles dans le nom. Ah, Croco, il va être en fou rire si je fais ça. Il va être en fou rire, je pense. Trop marrant, mec, c'est trop marrant. Croco a dit qu'elles étaient random. Quoi? Ah mais moi j'étais pas au courant. Les évolutions sont random? Mais non, c'est pas vrai. Chat? Si. Mais je savais pas moi. Si c'est random, c'est vraiment claqué craquant parce qu'il évolue genre ultra tard. Mais attendez, mais moi je savais pas putain. Au niveau 32, mais faut aller se faire foutre, je me suis fait baiser. Je savais pas non plus, ben oh là là, non mais il nous a pas tout dit là. Donc j'aurais dû prendre mon Tétarte. Putain. Elle m'a donné les Pokéball ou pas? J'ai pas vu. Elle m'a dit viens, mais je sais pas où je dois aller. L'Inca par ici. Dépêchons-nous de rentrer, s'il te plaît, donne-moi des Pokéballs, je veux juste mon premier Pokémon. Retourne au labo, ok, j'y vais. Je suis dégoûté, j'ai envie de reset ma run. Je me suis fait, là pour le coup, je me suis fait avoir, il va m'entendre, Croco. Ce gros bâtard. Retourne au labo, c'est là. L'Inca par ici, vite. Le Sada va rester bien au chaud dans le PC, c'est sûr et certain. On rappelle Flora 12 ans, Alaka 32 ans. C'est faux, mecha. J'ai l'âge de Flora dans le jeu. Ça fait très longtemps qu'elle met dans mes recherches. C'est un dresseur très expérimenté. Tiens, j'en profite pour te donner ce Pokédex. J'avais commandé tes recherches. Donne-moi des Pokéballs, je m'en fous. Reçois le Pokédex. Pokédex, c'est un outil de haute technologie qui enregistre automatiquement les informations sur Pokémon. Flora, emmène le sien partout. À chaque fois qu'un nouveau Pokémon est enregistré dans son Pokédex, elle vient me chercher sur le terrain pour me le montrer. Mais attendez, les gars. Attendez, attendez. Là, il me donne des Pokéballs. Je vais dans les premières hautes herbes et les deuxièmes hautes herbes de deux routes différentes. J'ai deux Pokémon pour faire le combat contre Croco et je range mon Pokémon au PC. Et voilà. C'est ça qu'il faut que je fasse. Genre, craque-noix, craque-couille, là, on le dégage à l'instant. Oui, ok. Oh, oui, j'ai des Pokéballs, allez, laisse-moi partir. Laisse-moi partir, je vais chercher mon premier Pokémon. Mon premier banker m'attend. Qu'est-ce qu'elle parle, la vache? Les gars, regardez bien.
Tu l'abandonnes comme ça. Ok, oui, je vais l'abandonner comme ça. Putain, mais je peux pas... Oh, merde. J'aimerais vraiment mettre les flèches directionnelles... Attends, Linka. Oh là là, mais quoi encore? Maman. Linka, tu as fait connaissance avec le professeur Seiko. Quel adorable Pokémon. C'est lui qui te l'a donné? C'est gentil de sa part. Tu es bien comme ton père. Tu adores la compagnie des Pokémon. Quand je pense que tu possèdes ta propre équipe, ton père serait fier de toi. Mais je t'en prie, fais bien attention. Si ça demande un problème, n'hésite pas à rentrer à la maison. Maman, laisse-moi partir, tu me fais honte. Tu me fais honte, Mams. Mams et Pams. Et Paps. Prends pas n'importe quoi, pitié. Mais les gars, ça va être le hasard. Hein. Ça va être le hasard. Ma mère, c'est Aurelsan, j'y suis pour rien. Les gars. Oh, mais putain, mais c'est pas possible! Oh, ça va, chérie, qu'est-ce qu'il y a? Tiens, de la part de mon père, il avait oublié de te donner tout à l'heure. C'est une mise à jour du Pokémon. Oh, je m'en fous. Je m'en fous. Le Navidex te permet de consulter les informations des Pokémon. Oh, oh, oh! L'aventure m'appelle! Elle me quitte trop, c'est vrai, lâche-moi! Ok, chat. Je suis obligé de capturer le premier que je croise. Vous le sentez où, mon bon Pokémon, là? Ah, mais je peux pas marcher dans l'herbe. Les gars, tout le monde sera à la droite. Je vais aller ici. Les gars, mon premier Pokémon banger est maintenant. S'il vous plaît, bête de Pokémon, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ok, les gars. Les gars. Les gars, attendez. Je le tape pas, sinon il va mourir. Je lui jette une Pokéball direct et advienne que pourra, non? Mastouf, rejoins mon équipe. Hop là! Le Mastouf dans l'équipe! S'il a Coloforce, c'est banger. Pitié qu'il ait Coloforce. Alors là, je suis obligé de prendre Mastouf pour XP Mastouf. Je n'ai pas le choix. Piétisol. Oublie une capacité. J'oublie patience, hein. Hop. Bon courage à toi, Piacence. Rename, moi, il faut que je rename. Comment on rename? Comment on rename, les gars? Je sais pas comment on fait. Donner un surnom. Oh, que oui, oh, que oui. Let's go, avec Zizi au caca, on va tuer tout le monde. Allez, je me casse. Attends, comment je fais? Il faut que je sois premier dans ma liste de Pokéball, de Pokémon. Bonsoir à tous. Zizi au caca. Linka, comment tu vas aujourd'hui? Linka Lurk. Ok, alors attendez. Là, il faut... Attends, j'ai un Pokémon niveau 8. Il faut que je les mette niveau 10 tous les deux, ça va être vraiment dur. Oh, y'a ma meuf. Y'a ma go. Linka par ici. Qu'est-ce qu'il y a? La queue du Pokémon. Je crois qu'il se cache. Hii, c'est mignon. Et d'après le Navidex, je vois qu'il possède une capacité rare. OMG, c'est qui? Approche doucement. Il faut pousser le pad circulaire juste un tout petit peu. J'ai pas de pad circulaire. T'y es presque. Oublie pas, il faut pousser le pad circulaire juste un tout petit peu pour s'approcher sur la pointe. Mais j'ai pas de patte circulaire. Bah fuck hein. Tant pis. Là c'est pas une... Non. Mais putain, j'aurais tellement préféré avoir Alakazam.
Il a quoi comme attaque, mon perso? Attaque charge. Attaque TM, c'est mort. Du coup, il est type psy, l'autre. Choc mental, je suis mort. Oh, ça va, il fait pas trop mal. J'ai cru que c'était la fin de Zizi au caca. Capture, pas grave. J'ai pas le droit de capturer. Oh, bah il s'est barré. Ok, ok. Teneb gagne sur psy. Ok, ok, merci. Super efficace, okay, merci, chat. Pokémon sauvage saute, saute sur les gens dans les herbes. Les hautes herbes. Pour en attraper, il faut aller dans les hautes herbes. Ok, mec. Putain, je suis bloqué là-dedans. Yanma. Zizi au caca, go. Zizi au caca, fonce. Oh non, il a regardé mon cœur. Il m'a identifié. T'as regardé le talent de ton Pokémon? Non, ça fait quoi? Moi, j'ai pas joué à Pokémon depuis très longtemps, les mecs, hein. Ça sert à un spam click, ouais, c'est vrai, ça va pas plus vite. Ok, ok, c'est vrai, t'as raison. Moi, je veux juste aller XP pour aller me battre. Attendez, je dois accepter un truc en attente. Ok, ça, c'est bon. Morsure, hein, j'enchaîne. Et là, c'est le ça y est, je vais passer niveau 4, je pense, au moins. En vrai, je vais passer niveau 3. Zizi au caca, 22 d'XP. Oh non, c'est trop de la merde, j'ai même pas up. Dommage, quand on s'approche trop vite de Pokémon, ils prennent peur et s'enfuient. Ok, c'est pas grave, laisse-moi. Je peux me barrer ou pas, là? Ou je suis obligé d'écouter? Je vais soigner mes Pokémon. Ouais, je sais, Death Gun, mais je vais jouer en mode normal, comme ça, je trace pas trop sur Croco. On s'occupe de votre équipe, oui. Oui, pitié, soigne mes Pokémon, vite. Allez, ça part. Comment je sais ce qu'il faut que je fasse, chat, là? Genre, comment je sais où je dois aller? Oh! Ah bah attends, c'est sur celle-là, je pouvais pas passer tout à l'heure, et maintenant je peux passer. Route sans... Waouh, c'est trop beau! Oh! Attendez, là, j'ai le droit de capturer un Pokémon, là! Ou c'est la même route, donc j'ai pas le droit? Oui, oui. Nouvelle route. Maintenant, 102. Et quand on a rejoint Florent, on était route 102 déjà. Oui, oui, mais les gars, vous êtes sûrs? Je suis à la même route que tout à l'heure. Non, 103. Mais non, les gars, il y a marqué route 102 sur mon merdier, regardez. Ah, c'était 103 avec Flora. Ok, ok, my bad. Oh, c'est maintenant Mew. Mew, j'arrive. Oh, incroyable! Attendez, incroyable en vrai par contre! Ok, attendez, j'essaie de le capturer instant. Éclaté en Nuzlocke, non, pourquoi? Je pourrais jamais le capturer, c'est sûr. Je vais lui faire une petite morsure. Attendez. Si je le tue. Je le tue pas en vrai. Oh non, je suis au schlof, je peux pas attaquer. Attaque normale, tu le toucheras. Attends, faut déjà que je me réveille. Ok, c'est bon. Affecte pas. Oh non. Taux de capture hyper bas en début de game, impossible. Oh non. Oh non, non, non. Je vais prendre Cracouille, mais je vais le one shot, les gars.
Morsure ténèbres, je peux. Merci mon Seika pour le sub niveau 3, merci mille fois. Oui, oui. Ouf. Ok, ok, ok. J'ai cru que j'allais one shot. Allez mon con. Les gars, il se passe quoi si je perds toutes mes pokéballs? Si je perds toutes mes pokéballs, il se passe quoi, chat? Oui, allez. Oui, nice. Ok. Quoi? Mais quoi? Mais pourquoi j'ai fait trois? Ça a fait trois tuk-tuk. Mais attendez, en vrai, trois tuk-tuk, normalement, on l'a. Comment je fais les mecs? Les gars, j'ai plus de Pokéball là quasiment. Ça va, ça part trop vite. 3 tuk tuk qui a un tic. Et ouais mais. S'il te plaît. Yes! Ok! Ok ok. Est-ce que je dégage un de mes Pokémon chat? Genre si je dois dégager un de mes Pokémon là, je vire qui? Genre, qui vous dégageriez de votre équipe, là? Zizi au caca? Ah ouais, vraiment? Regarde si le chien a Coloforce en talent. Oh, pas mal, pas mal. Recto... Ectoplasma, rectum plasma. Rectum plasma. Pas mal, pas mal. Vraiment, faut arrêter. Mais qu'est-ce qu'il y a, les mecs? Alors, attends, il fallait que je regarde le talent de mon Pokémon, mais je sais pas ce que ça veut dire. Deux secondes. De Zizi au caca? De Zizi au caca. Attendez, attendez. Résumé. Zizi au caca. C'est où que je dois voir? Pudique. Talent baigne sable. C'est où tu vois ça? Ah oui, baigne sable augmente la vitesse lors des tempêtes de sable. Ok, en gros lui c'est de la grosse merde, en gros c'est ça. Ok, donc, lui, Mastouf, on s'en bat les couilles et je joue avec Ectoplasma et Cracouille. Comment je fais pour changer l'ordre déjà? Ok. Ok, j'ai le droit de soigner mes Pokémon ou pas? Quelqu'un a posé la question tout à l'heure, moi du coup je pensais que oui, mais ça se trouve j'ai pas le droit. Merci les tacs. Oui, ok, je vais le soigner. T'as le droit, merci chat. Je connais pas la musique, je fais semblant de siffler. Pas le droit s'ils sont chaos et tout. Ouais, s'acheter. Ok, donc là, faut que je monte mon ectoplasma niveau 10. C'est dur ou pas? Les gars, tant pis, j'assume, voilà, j'ai une coupe de merde, voilà, faut que j'aille chez le coiffeur, mais j'ai la flemme. Je m'en occuperai prochainement. Oh, je peux courir? Oh, putain! Ok, ok. Il veut me péter la gueule, lui, c'est sûr. Merci, Oji. Merci pour les 52 mois. Alors là, les gars, sachez qu'il peut avoir des Pokémon totalement broken. S'il vous plaît, un Pokémon nul.
Et là, il me sort une dinguerie Dracaufeu, mec. Diamat. Cracouille! Cracouille! Cracouille, go! C'est un légendaire, Diamat, non? T'es mort de chez mort. Ouais, mais il est niveau 4. En vrai, les gars, c'est ma chance. Non, mais une forme évolue, ok. C'est un type quoi, Diamat? Chat. Je lui piétine seul sa mère la pute, voilà. Oh non, j'ai la trouille, je peux plus attaquer. Oh non. Non. Non, 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 non. On s'enfuit pas d'un combat de dresseur. Allez, Zizio Kaka, défonce-le! Ok, j'ai un désespoir. En vrai de vrai, s'il me lance pas de sang, Broken! J'ai pas d'attaque qui font des dégâts là. J'ai pas d'attaque. Bon. Ok, bon bah c'est en reset de run. Vous pouvez dire à Croco de venir en vocal vite fait s'il vous plaît. Je sais plus comment on reset. J'attends juste. Croco? Croco, t'es là? Deux petites secondes, chat. Il arrive. Comment il s'appelle le Pokémon du premier dresseur, chat? Mon ordi galère pas, non? Allô, Croco? Ouais? Bah, appelle-moi hein, quand t'as un problème, t'inquiète. Hein. Ok, ok, mec. J'ai un problème. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Comment on reset une run? Tu te rappelles plus? Non, je me rappelle plus. Ah. Tu te rappelles toi? Je me rappelle, ouais. Ok. C'est fou, le jeu. Un petit poisson. Je quitte le jeu. Tu te rappelles d'abord? Bah, Staron est perdu, oui, hein, j'imagine. Ah oui, elle est bien perdue, ouais. Ah ouais? Bah, le premier dresseur, disons qu'il était pas là pour enfiler des perles. Ah ouais? Et il a one-shot tous mes Pokémon. Ah ouais? Ah oui, oui. Tu me fais peur là. T'es rendu où toi? Je suis contre. Je suis en train de capturer les Pokémon sauvages après Flora là. Ok, c'est ok. Mes premières Pokéball. Ok. Du coup, tu vas sur Citra et tu te rappelles, t'as supprimé la sauvegarde ou pas encore? Non. Bah, tu sais, tu fais clic droit sur ta run et tu fais aller chercher les moments récents ou je sais plus quoi. Sur Citra? Ouais, tu sais, sur Citra. Ah oui, ouvrir l'emplacement des données de sauvegarde? Ouais. Et là, t'enlèves le fichier. Bah, il y est pas. Non, mais c'est avant, je pense. Ah oui, il fallait revenir. Ok, ok, attends, je crois que je me rappelle. Fallait cliquer sur. Sur Data, je crois. Aïe aïe aïe. Non, ouais. C'est juste un en arrière de. À ouais, partir t'inquiète. Du moment où tu. Ouais, ça c'est bon, je me rappelle. Ok, donc okay. Ça c'est bon, j'ai supprimé la sauvegarde. Faut supprimer le dossier, c'était ça? Ouais, c'était un dossier, ouais. Ok, c'est bon, le dossier il est supprimé. Et maintenant, tu dois recréer une run, donc tu. Tu sais, tu dois relancer. Putain. Tu dois relancer le truc. Non, mais je me rappelle, mais c'est juste que j'ai plus les noms. Moi non plus, j'ai plus les noms. Si, c'est bon, je me rappelle. Décryptor, c'était pas ça? Ouais, puis il y a launcher tiré du bas Windows .bat, mais je crois que tu l'as appelé Croco, je sais plus quoi. Putain, c'est pas ça. Non, décrypteur, on s'en fout, c'est fini, décrypteur. Ok.
C'est le truc qui s'appelle Croco Tri. C'est bon, j'ai trouvé Windows Bat, c'était pas ça? Launcher Windows Bat. Oui, c'est ça, ouais. C'est pas ça. Si, c'est ça. Launcher tiré du bas Windows.bat. Oh, si, c'est bon, c'est ça, ok. Et là, après, c'était. Open Room. Oui. Et tu vas chercher le jeu point -decrypted. Ok, 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 ok. Qui est dans... Ok, dans Batch. C'est bon. Et après, Load Settings. Tu load settings. Le random. Le random qu'on a créé nous-mêmes. Après, Randomize Save. Ouais. C'est XI, là, machin. Là, ça, ouais, c'est ça, point machin, et tu relanceras cette run-là, et normalement, ça te fait un nouveau, une nouvelle run random avec sauvegarde supprimée. Et je remplace, en gros, la première save. Ouais. Je crois que c'est ça, ok. Désolé, les gars, là, c'est un peu technique, mais... Non, c'est bon, c'est pas si technique quand on connaît bien. Bah, en fait, c'est pas dur à faire, faut juste se rappeler des trucs, quoi. Ouais. Ok. C'est bon, là, bah, c'est juste la première, maintenant, tu pourras faire en boucle. Ouais, ouais, ouais. Toi, tu t'es content de ce que t'as sans me spoil? Je peux pas te spoil là. Bah, tu peux juste me dire si t'es, ouais, t'es plutôt, là, plutôt confiant. Écran, en fait, je t'explique. Tu es arrivé, mon écran n'a aucun sens. Voilà. Ok. Mais quand je te dis aucun sens, il a aucun sens. Ok, ok. Voilà. Ok, à toute, Croco. C'est bon? Ouais, merci beaucoup. Ah, tu peux accélérer un petit peu si tu veux. Je vais me mettre en speed au début du coup. Tu peux speed, ouais, ouais, t'inquiète. Ok, merci mec, à toute. Bon chat, j'espère que là ça a bien relancé le jeu, sinon c'est la grosse merde. Ok. Ok, donc j'ai une bonne nouvelle. Je peux accélérer le truc en mode genre à 500%. Faut juste que je retrouve comment on fait. Ah, c'est comme ça. Ok, désolé pour les sons et tout, au début ça va être horrible, mais... C'est juste pour aller au moins au starter, sinon ça va être trop chiant. Vous m'autorisez? Pourquoi tu mets anglais? Non, c'est bon, j'ai mis la bonne langue. Merci mille fois en tout cas, Manuela, pour le sub. Bon, merci beaucoup, c'est gentil pour le sub offert. Je m'appelle Masculin Masculin. Vous êtes le fameux Masculin Masculin. Putain, même, c'est vrai que même comme ça, même me diriger, ça doit aller vite. La musique. C'est goofy de fou. Attendez. Casse-toi, maman. Ton père, c'est Norman. Hop là. Ok, la révélation. Je me casse. Je rends ma meuf. Les gars, j'ai peur du starter. J'ai peur de fou, en vrai. Logiquement, je peux pas avoir pire. En vrai, chat. On est d'accord, je peux pas avoir pire. Et je fais quoi, les gars? Qu'est-ce qui évolue le plus vite, les gars, là-dedans, là? Qu'est-ce qui évolue le plus vite? Passe rouge, ça évolue quel level s'il vous plaît, les pros Pokémon là? Passe rouge évolue quel level? 16, 15, 15, 16, ok, c'est pas mal en vrai. C'est pas mal. Et Porygon, bon col ou c'est de la merde? Parce que moi de mémoire, le Pokémon il est rigolo, mais il pue la merde quoi. Mauvais col. Je prends passe rouge. Ok, et Nidoran, il évolue quand? Non, vas-y, je vous écoute, les gars, je prends passe rouge. Ok, je vais me mettre en... Est-ce que je me mets en vitesse normale ou est-ce que je speedrun même ça pour qu'on arrive au moment où on était tout à l'heure? Je vais aller au moment où on était tout à l'heure. Mec, je l'ai tout shot. Je l'ai tout shot, il est broken, mon personnage.
qu'est-ce que je devais faire déjà? Je devais me casser? Donc là, bon, premier combat, mais c'est... Ah, mais j'ai l'impression que le premier, c'est tout le temps le même, ou alors c'est le hasard? Les gars, passe rouge, il a l'air d'être vraiment fort, genre. Vive attaque, en plus, je pourrais prendre de vitesse croco. Pas mal, pas mal. Voilà, il me raconte sa vie, tac, tac, tac. En vrai, avec le mode accéléré, ça va très très vite, donc ça passe. What? Il se passe quoi, là? Voir mon streamer préféré sur mon jeu d'enfance, quel plaisir. Ok, c'est bon, les gars. C'est maintenant. C'est maintenant. Donc là, je lui montre qui est qui. Azumarill, ok. Bah, Azumarill, tiens, vive attaque, t'as pas le temps de réagir. Hop. Oh, oh oui, oh, oui, oh. Oh, sa mère, j'ai vraiment peur. Oh, putain. Ok, ok, ça va, elle a full passe tour. Oh sa mère, j'ai eu vraiment peur. Mais les gars, quand les Pokémon ils level up, ils sont pas censés se mettre full vie? Non. Ok, moi je croyais qu'ils étaient full vie avec le level up, j'avais oublié. Oh, comment je vais vite sa mère, je suis une Formule 1. Ok, je peux remettre en vitesse normale la chat. Attends, j'attends juste qu'elle la boucle. J'arrive pas à me décider, mais je m'en fous. Ok, attends, faut juste que je retrouve le truc pour remettre. Parce que je sais plus. Je crois que c'est émulation configurée. Ok, c'est ça. Vitesse 100%. Ok, j'ai trouvé. Ok, ça arrive bien quand ça s'arrête. Chat! Moi, j'ai l'impression que je suis tout ralenti. Attends, garçon. C'est le Nerlours. Tu as fait connaissance, professeur Seco? Ouais. Oh non, putain, mais tout le monde veut me parler. J'avais oublié, j'aurais dû continuer à speedrun. Potion si tu crites pas. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin? Mais mec, arrêtez de me parler, pitié. Merci Cyprépoké, merci beaucoup. Ça fait un an que notre relation dure, Linka. C'est beau. Je suis tout émoustillé et heureux de fêter ça avec toi. C'est très beau, merci beaucoup. Ok, je trace. Donc là, j'ouvre mon sac et je soigne mon Pokémon. Mais non, mais il est full vie, vous voyez, vous m'avez menti. La honte. Flora l'a soignée. Ah ok, merci à elle. Gros big up Flora. Donc là elle me dit il y a un Pokémon avec une capacité rare. Mais là ça veut dire que si j'avais eu les Pokémon, j'aurais pu le capturer en fait, le Pokémon dont elle me parle. Ok, ça va. Dodrio, ça va en vrai. Je pense que je l'écrase avec mon moineau là. Charge. Allez hop, huit. Retourne d'où tu viens. Mais mec, non mais attendez, mais il est broken ce perso comparé à celui d'avant. C'est quoi ce Pokémon de fou? Le problème c'est qu'il est déjà niveau 9 et j'ai toujours pas d'autres Pokémon. Mais pourquoi il est niveau 9 alors que tout à l'heure j'étais niveau 8? Mais attends, mais elle m'a pas donné de Pokéball. Pourquoi tu l'as pas capturé? Bah j'ai pas de Pokéball les gars. Les Pokéballs, ça vient plus tard, mais je sais plus où je dois voir l'autre. Elle est là-haut? Mais pourquoi elle est pas là-haut? Elle est où? Si, tu les as. Non, vous foutez de ma gueule, les gars, c'est réel ou pas? Mais je fais comment? Je dois refaire jusqu'à ce que je trouve le bon Pokémon? Putain, j'avais pas calculé sa mère. Tu
les as quand tu l'as vu en haut. Il me refaut Dodrio là. Pas grave, t'as juste niqué une zone. Oh non, mais je suis trop con, les gars. Donc là, je vais aux routes à côté, voir si je trouve quelque chose. Attends, mais par contre, j'ai une théorie, là. Route 103, ok. Là, si je vais là-bas... Attends, en haut et à droite. Est-ce que, du coup, il y a une nouvelle... Du coup, il y a une nouvelle route. Donc là, 103... Mais 103, j'ai rien capturé, du coup, alors, ici. Ah, mais si, parce que c'est déjà la route 103 en dessous, c'est ça? Genre là, ici, une nouvelle zone, oui, tu peux. Ok, je vous fais confiance, les gars, parce que moi, je connais pas trop le fonctionnement. Attends, mais là-bas, par contre, c'est ouvert, maintenant? Ah non. En dessous, c'est ça. Ok, donc ici, j'ai le droit de capturer un Pokémon, on est d'accord. S'il vous plaît, un bête de truc. Un banger. Evo vite, ok. Faut que ça le prenne direct. C'est pas que t'as le droit, c'est que t'es obligé. Ok. Mec, je vais être obligé de taper, sauf que je suis niveau 9, lui niveau 3. Je sens que je vais pas réussir à le capturer lui. Allez, un peu de chat si vous voulez le jeu. Salut Linka, tu vas bien? Non. Allez, s'il te plaît, jeu, un peu de chance. Merci Ken. Mais non, mais je vais gâcher toutes mes Pokémon avant même de commencer. Vive attaque, mais je pense que je le tue, les mecs, hein. Doucement, passe rouge. Ok, j'ai cru qu'il était mort. Ok, ok. Tu tues 100%. Et hop là, tes pourcentages qui puent la merde. Parce que visiblement, non. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, c'est bon là. Oui. Easy, ok. Ok, chat, deuxième Pokémon dans la team. Chauve-sourire. Il évolue quel level, lui, chat? Si vous pouvez me dire à chaque fois, je suis trop chaud. Au bonheur. Ça veut dire quoi, au bonheur? Avec du bonheur, mais comment je fais pour le rendre heureux? Oui, oui, Yoshi, ça y est, maintenant c'est votre set qui fait tout. Donne un surnom, non, pas de surnom, ça me porte malheur. Il faut jouer avec lui. Tu dois jouer beaucoup. Tu dois le jouer beaucoup, ok. Mon petit coco, viens. 8. Chauve-sourire. Oh merde. B2Co est première position dans la team. Déjà, il est first dans la team. Là, vous pensez qu'il peut être, il peut évoluer de bonheur aujourd'hui ou pas? Genre vite là. Non. Ok. Allez, et du coup, là, dans la route à côté, je dois capturer le premier Pokémon que je vois. Allez, c'est maintenant. S'il vous plaît, un énorme banger. Du jamais vu dans le jeu. Attends, je vais prendre le premier Pokémon là-haut. S'il te plaît, le jeu, s'il te plaît, une dinguerie. S'il te plaît, un Pokémon de type feu, là, qui envoie un peu. Les gars, il est stylé. Les gars, Fulgurite, c'est un banger, genre? C'est un légendaire? Mais non! Attends, attendez.
Attendez. Par pitié qu'il meure pas. La trouille, il peut pas attaquer. Top, top. Tu vas jamais réussir à l'attraper. Ah ouais, vraiment? Tu vas mourir. Non, non. Non, les gars, je vais pas mourir. Aïe, 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 aïe. Non, 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 non. Est-ce que je lui fais une attaque ou pas, chat? Est-ce que je fais une attaque? Ou ça va le tuer? Je suis niveau 9, il est niveau 3. T'es obligé. Tu vas le flinguer. Pitié, meurs pas, 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 meurs pas. Ok, je peux pas en faire une. Je peux pas en faire une. Mais mec, il me prépare quoi là? Mon Pokémon, il va exploser, il va me faire un plus, il va me transformer en poulie rôti. Non, pas d'attaque. Allez, jeu, s'il te plaît. S'il te plaît. Les gars, il a augmenté son attaque. Est-ce que je tente une autre vive attaque? S'il te plaît, s'il te plaît. De toute façon, j'arriverai pas à le capturer, donc s'il te plaît. Non! En vrai, les gars, j'allais pas l'attraper. En vrai. En vrai, j'aurais jamais réussi en 5 Pokéballs, non? T'inquiète, au passant, je vais évoluer en Mewtwo, c'est mieux. Je veux que ça. C'est que déjà, on n'est pas mort, c'est déjà bien. Putain, ça veut dire qu'il y avait un légendaire devant moi et je l'ai pas eu, purée. Après, là, au début, avec des Pokéballs, les gars, c'est vraiment chaud, hein. Ouais, quand le Pokémon évolue, il évolue en Pokémon au hasard, ouais. Attends, je vais pas faire l'erreur cette fois. J'XP mon premier Pokémon. Mais Staros, ça détruit mon chauve-sourire, non? Chauve-sourire! Attaque choc mental! Le problème, c'est qu'il va trop évoluer, mon autre Pokémon, là. Tant que Chauve-Souris, il est pas dans la merde, j'en profite. Oh, belle bébé, bien joué, Chauve-Souris. Pas très efficace, coup critique. Il est confus, l'autre. Incroyable. Mais mec, qui a mal parlé de mon Chauve-Souris? Allez hop, allez Staros. Bon voyage, hein. Capture, non? Bah non, j'ai déjà capturé celui d'avant. Enfin, j'ai loupé déjà celui de la zone d'avant. Fallait pas le capturer. Mais non, je suis dans la même route que tout à l'heure. La zone, elle est foutue, là. J'ai pas le droit de capturer, on est d'accord? Vous me faites douter. Moi, j'ai pas le droit pour moi. J'ai tué le Pokémon avant, c'est tant pis. J'ai ma zone, elle est pourrie, là. Pas le droit, oui. Ok, ok, d'accord, c'est moi qui ai raison. J'ai cru que j'avais fait une connerie encore. Là, je suis niveau 16, dans 4 levels, je dois me battre avec Croco. Je pense que je suis obligé
de me fight là parce que je vais trop XP avec le combat de dresseur. S'il te plaît, pas une dinguerie cette fois, s'il te plaît. Ouais, chaque route, j'ai un try pour capturer, c'est exactement ça. Boule de nœud. Je fais tiep à côté, il va me détruire. Oh oui, mais oui, mais dis-lui en fait. FF, non, regarde, regarde, je roule dessus, de quoi vous parlez? Get ça, voilà, FF. FF de quoi en fait? FF de quoi? Je suis en train de lui apprendre qui est qui là. Ah, ce gros con. Allez hop, bon voyage hein. Bonne continuation à toi, boule de nœud. Oh non, il fait quoi? Il recon. Il reconce. Non, ça va. Ça va, il est nul à chier, allez, je le détruis. Avec ses nutriments, il fait des trucs. Allez, tiens. Ah là, prends ça dans la gueule. Avec tes nutriments là, de merde. Niveau 7, mais les gars, c'est bientôt l'heure du combat. C'est bientôt l'heure du combat là hein. Oh non, j'ai un deuxième combat. Peut-être qu'il me voit pas d'ici. S'il te plaît, un truc de merde, s'il te plaît. Ouais, c'est niveau 20 le combat, mais niveau 20 cumulé sur les deux premiers Pokémon. S'il te plaît, de la merde, Rhinocorn. Je vais me faire arracher, je vais me faire arracher. Ça se voit là que je vais me faire arracher, non? Je fais 12 kilos comparé à lui. Choc mental. Sois traumatisé mentalement, s'il te plaît, Rhinocorn. Oh que oui, il est traumatisé. Pff, risible. Hop là. Allez, va voir ailleurs si j'y suis, mon con. C'est trop facile. C'est trop facile, les gars. Allez, hop. Easy. C'est l'éléphant qui a peur de la souris, réel. Oh non, je pensais qu'il y avait un chemin caché. En fait, ça menait au même endroit. Il est trop stylé. Il est trop stylé, ce Pokémon, je l'aime trop. Il est trop beau. Bah attends, mais j'en profite pour XP, hein. Allez, hop. En vrai, il est cool, Vipedia, hein. Il est vraiment beau. C'est bien, comme ça, je vais pouvoir réviser et apprendre mes noms de Pokémon des autres générations. J'adore ce starter. Bah tiens, on lui dira une autre fois. Allez, hop, bonne continuation à lui, en tout cas. Mais mec, je suis obligé de me faire tous les combats de dresseurs, là. Il a deux Pokémon, FF. Azumarill. Et Azumarill, on est d'accord, les Pokémon de type plante, les trucs de type eau, pardon, les attaques psy, ils craignent un peu, non? Ils sont en mode, oh là, ça me plaît pas. Je vais one-shot. Oh non. Non, pas du tout, c'est l'inverse. Non. C'était un coup critique. En vrai, je crains rien. Je crains rien. Je peux encaisser encore au moins une attaque. Mini queue. Oh non, non. Arrête. Oh, ben regarde, j'ai tout peur. Allez, tiens, vas-y, bouffe. Bleu. Une potion. Vite. Vite, vite, vite. Ah, désolé, c'est un peu de la triche, mais j'ai trop peur. T'en niquer. Oh non, il pleut. Oh non. Oh, s'il te plaît, quand même, c'est embêtant. Allez, tiens. Bouffe. Allez, hop. Azumarill, c'est connect. Pitié, pas de la... Pitié, pas un truc de fou. C'est pas de la triche. Non, il y a le droit, il y a le droit. Pitié, pas un deuxième Pokémon légendaire ou je sais pas quoi.
prends tornade, ok, ok. Grelasson, c'est fort, grelasson, les gars, ou pas? Il est niveau 2, mec. Je vais l'atomiser. Niveau 2. Switch. Non, regarde. Hop. Allez, hop, dégage de là. Bouffon, va. Ta gueule, focus. Salut, merci Jules, merci beaucoup. Ça va, tu en sais, belle soirée. Pour le moment, ça va très bien. Je suis très confiant sur mes Pokémon, là. Nuzlocke, c'est un peu de la triche. Bon, je me bats les couilles, en fait. On a nos règles et tout, on joue, tu sais. On joue avec nos règles. Allez, laissez-moi aller me soigner par pitié. Est-ce que si je donne des baies à mon Pokémon, là, il va se dire, putain, j'ai envie d'évoluer, il est trop gentil avec moi. Genre, ça, c'est considéré comme de la gentillesse pour qu'il soit heureux, mon Pokémon, ou pas? Je vais le gaver. Je vais le gaver de baies. Oui, ça aide. Hop, 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 hop. Alors, toi, tu vas te régaler. Comment on fait? Objet. Donner. Restaure que lorsqu'elle est tenue par un Pokémon. Donner. Tiens, je lui donne. Et ça, j'utilise. Régale-toi. Ça n'a pas d'effet. Ok, top. Top, top, top. Oh non. Mais c'est pas possible, mais il y a combien de dresseurs? Merci Mike Duty pour les 2 mois. Cobaltium. Ça se voit de ouf que je vais me faire arracher. Par pitié que ce soit niveau 2. Niveau 5. En vrai, niveau 5, ça va. Il m'a tapé à 1. Légendaire, broie même le niveau 2. Bah non, regarde, il m'a tapé à 1. Prends-toi un choc mental dans la gueule, là. Voilà, 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 dévala, tiens. Bah alors, bah alors, mon couillon. Ok, ça va. J'ai cru que c'était une dinguerie. Oh oui, oh oui, j'ai eu tellement peur. Capture-le, non, c'est un combat de dresseur, Loïc. Ok. Je vais être niveau 20 pour le combat contre Croco, moi. Je sais pas où il en est, lui. Pitié, juste pas d'autres combats, en fait. C'est tout ce que je demande. Petite potion gratuite. Hop, on prend. Merci Isaac, merci beaucoup. Pitié, pas un combat, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Fonction du navire machin qui réagit quand il y a un Pokémon à proximité. C'est super pratique. Trop cool, merci. Oh! Un Pokémon à proximité. Non, pitié. Lui, niveau 15. Mais comment ça se fait qu'il soit niveau 15 alors qu'on... Que j'ai recommencé une... Ah mais peut-être qu'il a recommencé aussi en fait. La route 102 est vraiment courte. Attends mais moi j'aimerais bien en profiter pour aller voir une autre route pour essayer de capturer un Pokémon mieux parce que je veux pouvoir déchirer Croco quoi. Attendez, déjà on soigne les Pokémon d'urgence là. Ok, ça c'est bon. Ok, il y a une route à gauche, et une route vers le bas et une route vers le haut. Faut juste que je puisse me barrer. Ok, là il n'y a pas d'autre route, donc je n'ai pas le droit de capturer quoi que ce soit. J'ai pas de canne à pêche, donc je peux rien faire. C'est un mètre d'arène ça?
Merci monsieur, surtout n'hésite pas à venir affronter à nouveau. Ton équipe et toi allez encore progresser, c'est sûr. Avant, on va suivre un entraînement spécial. Merci pour tout monsieur Norman. Oh, papa, c'est mon père. C'est elle, le déménagement est terminé. Bon, on va pas rester planté là, entrons dans l'arène. On sera plus à l'aise pour discuter, allez viens. Il parle trop mal. Il parle trop mal. Ça alors, t'es venu jusqu'ici tout seul. Tu te dessines donc à devenir dresseur comme moi. J'ai hâte de te voir à l'œuvre. Merci pas. Bonjour, j'aimerais un Pokémon. What? Mais... mais oui, tu t'appelles Timmy, n'est-ce pas? Je déménage chez ma famille à Vergazon, mais j'ai peur de me retrouver tout seul. Alors du coup, je pensais que ça serait bien si j'avais un Pokémon avec moi. Mais comme j'en ai jamais attrapé, je ne suis pas sûr de savoir comment m'y prendre. Je vois. Et si tu accompagnais Timmy pour capturer un Pokémon avec lui? Allez, viens Timmy. Timmy reçoit un Zigzaton. Waouh, un Pokémon. Prends aussi ses Pokéballs et maintenant filez. Moi aussi papa, s'il te plaît. Timmy reçoit des Pokéballs. Timmy, ça tire, donne-moi une Pokéball. Ça te dérange pas de m'accompagner, hein? Si. Ah bah heureusement qu'il posait pas la question, j'aurais voté oui. Les Pokémon se cachent dans les hautes herbes comme celle-ci, pas vrai? Observe-moi et dis-moi s'il faut. Waouh. Allez, Timmy, démerde-toi. Hein. Oh, le bâtard, il est trop stylé, ce Pokémon. Timmy, envoie Zigzaton. Ok, ok, c'est bien ce que tu fais, Timmy. J'aime beaucoup ce que tu proposes pour le moment. Ok, ok, tu charges. J'aime bien. Il est entreprenant. Ok, ok, pas mal. C'est level 20 en moyenne, pas en cumulé. Si, c'est en cumulé. Vas-y, envoie ta Pokéball, c'est bon. Envoie ta Pokéball. Dépêche-toi. Pourquoi elle a un Zigzaton? Parce que mon père, il y a prêté. J'avoue, mon daron, il y avait un Pokémon niveau 7. En vrai, je le ridiculise, Norman, si je veux. Hop là, le champion, il a réussi. Il a réussi son coup. Allez, laisse-moi partir d'ici. Je sais même pas pourquoi je suis avec lui. On est 1500, ça change de Rittert au bras. C'est vrai que c'est pas la même ambiance. C'est Cabu, il a voulu me saboter. J'y suis pour rien, chat. D'ailleurs, en parlant de ça, n'hésitez pas à vous sub, à soutenir la chaîne, les gars. Ça fait vraiment plaisir. Et pour réparer les erreurs commises par Cabu sur cette chaîne. C'était génial. Je peux maintenant... Allez, hop, stop. C'est grâce à vous deux que j'ai pu attraper ce Tarzal. Mon Tarzal, rien qu'à moi, lui et moi, c'est pour la vie. Je suis pas sûr que ça suffise, mais pour te remercier, est-ce que tu peux me prêter ton Poké Multi... Mais... Et voilà. Un petit le poisson, boss. C'est mieux. Merci Tobus pour ce beau faire un Eldia, c'est gentil, merci beaucoup. Peut désormais utiliser Navifun. Le Navifun permet de chouchouter ses Pokémon. Oh, mais c'est ça qu'il faut pour rendre mon Pokémon heureux. Merci Charlie, merci beaucoup pour le sub. Attendez, mais les gars, là je peux chouchouter mon Pokémon pour qu'il évolue ou pas? Fais attention à ce que je vais dire. Commence par aller à Merouville. Tu pourrais identifier Roxanne. Ok, je vais à Merouville. Ok, lâche-moi la grappe. Comment on fait pour faire le truc, les gars? Joue en ligne, jouer avec un Pokémon. Oh oui. Non, c'est pas le bon Pokémon dans mon truc. Comment je fais pour jouer avec un autre Pokémon? Non, changer de Pokémon. Oh mon couillon. Allez, c'est parti, on va se régaler. Jouer. Oh, c'est trop fun, c'est trop fun. Comment on joue avec? Oh, j'ai cru que ça avait crash. J'ai cru que ça avait crash. Comment? Là, je suis en train de jouer, là, les gars, ou pas du tout, là? Genre, je sais pas s'ils considèrent ça comme un jeu, le Pokémon, là. Tiens-le. Ah, ok.
Ok, il est trop content, je lui fais de la musique. Nécessite 3 Pokémon en forme. Merde. Régale-toi, mon chouchou. Ok, ok. Mais là, il devrait évoluer, là, quand même. Si seulement c'était si facile. Imagine, il évolue en co-confort. Je me fous en l'air. Tu peux le caresser aussi. J'ai mis une droite. J'ai mis une droite. Je savais pas qu'on pouvait les cogner. Ok. Là, il peut évoluer, les gars. Ou c'est mort, je me casse. Je le branle un peu, là. J'assume pas la vanne, j'assume pas la vanne. C'est bon ou pas? Merci Calé pour le sub, merci beaucoup. T'es beau aujourd'hui. Je crois qu'il évolue en une évolution dans notre Pokémon. Ok, je me casse. Je me casse et je vais courir dans l'herbe. Et il va level up. Nouvelle route? Chat? OMG. Attendez, j'ai soigné mes Pokémon ou pas? Ouais. Les gars, regardez bien. Regardez bien, les mecs. Va acheter les Pokéball. Oui, j'avoue, t'as raison, toi. Attends, je vais acheter les Pokéball. C'est vrai, c'est vrai. C'est limite le plus important, en fait, les Pokéball. Mais y'a pas de commerce. Y'a pas de commerce, les gars. Ah si, au-dessus, je pense. Ok, let's go, j'ai cru qu'il y avait pas de commerce, j'ai eu très peur. Bienvenue à la boutique, achetez. Pokéball, ok, j'ai 3000 balles quand même. Hein. Je vais acheter des Pokéballs. J'en achète combien, vous pensez, les gars? 10? En vrai, on s'en fout, autant claquer la thune de fou dans la... dans ça, hein. Je pense. Parce que si je tombe sur un gros Pokémon et que je peux pas... 2000, ok. Et je vais prendre des potions au cas où j'ai des Pokémon qui soient dans la... dans la tourmente. Oh, Honor Ball en cadeau. Non, vas-y, c'est bon, j'ai utilisé qu'un seul soin et tout. En gros, quand tu prends 10, t'as une Honor Ball à chaque fois. Allez, les gars, s'il vous plaît. Une dinguerie. Bruiverne. Mais pourquoi j'ai des bestioles qui volent? C'est bien ou pas, les gars, Bruiverne? OMG, incroyable. Ah ouais, il est vraiment bien. C'est une dinguerie. Mais je vais le tuer, là. Attendez. Je vais le one-shot. Je tente une Pokéball déjà comme ça, voir un peu prendre la température. Ouais, Tornade, ça va être pas très efficace au pire. Si tu captures, tu dépasses les niveaux 20 cumulés, Arnaud. Ouais, mais c'est sur deux Pokémon. C'est niveau 20 cumulé sur deux Pokémon pour qu'on fasse le combat avec deux Pokémon, je crois qu'on a dit. J'ai peur. Je tente, les gars. De toute façon, je vais rien pouvoir faire. Ok, parfait. J'en mets 3 tornades, je pense. Ouf, non, ok, j'arrête là. J'arrête là. Et on va capturer. Oh, what the fuck. Oh putain, attends, il fait mal pour un niveau 4, hein. Est-ce que la Honor Ball, c'est mieux en stat ou pas? Sinon, je me le tente direct avec une Honor. Hein. C'est pareil, ok. Merci, chat. Allez, s'il te plaît.
Je vais faire ça en boucle et je change de Pokémon si je vois que je suis dans la merde. Ultra. Oh, chauve-souris évite l'attaque. Quel roi. Allez, s'il te plaît. Faut vraiment que je fasse gaffe à la vie de mon Pokémon, non? On va l'avoir. Il est vraiment bien, les gars, à avoir dans l'équipe, lui. Oh oui, la baie qui sauve tout. Je change de Pokémon ou pas? Pas une team full vol, bah je n'ai pas le choix en fait, je fais avec ce que le jeu me donne, hein. Allez, s'il te plaît. Oh putain, mais les gars, comment je fais? J'ai pas une attaque. Ok, ça va, il me fait pas trop mal. Est-ce que j'ai un truc pour le, tu sais, juste le mettre dans le malaise un peu? Genre rugissement, il va être en mode oh là là, il a rugi, et après je l'attrape. Allez hop. Là, il se chie dessus. Il se chie dessus, les mecs, hein, je vous le dis. Il est en mode non. Oh là là, mais attends, mais mine de rien, il fait un peu mal, hein. Putain de merde. Il faut que ça passe à moi aussi, j'y ai cru. Nice. Ok. Est-ce que lui je le monte? Et si oui, il remplace qui dans ma team, chat? Ok, nice. Dégage, chauve-sourire. Ah ouais? Mais vous êtes sûr, c'est un Pokémon qui peut évoluer vraiment rapidement? On tente pas de faire évoluer chauve-sourire, vous pensez? Attends, déjà je vais soigner tout le monde. Évolution bonheur, c'est de la merde, ok, ok. Merde, je suis con, je suis allé au mauvais truc. Dégage personne, non mais faut bien que je fasse un choix quand même pour le combat contre Croco. J'aimerais bien aller dans une autre zone et essayer de voir si je peux capturer un autre truc. Bruver n'évolue pas, tant mieux, parce que les évolutions ça change. Ready soon pour un verre, ok, cool. Est-ce que là il y a une autre route? Attends. Comment on met la map en bas là? Ok, c'est bon. J'ai trouvé. Mec, y'a des dresseurs partout, c'est trop la merde là. C'est des dresseurs ça, chat, ou pas? Je vais le mettre en premier et je vais le faire XP dans l'herbe. C'est une bonne idée. Ok. Ok. Je veux juste pas de combat avec des dresseurs. Euh.
Oh, c'est une blague? Mais what the fuck? Winnable ou pas, les gars, là? Je pense charge, ça doit être le mieux. Oh là là. Putain, il a essayé de me caler un ultrason. Je vais lui mettre un ultrason, moi aussi, pour lui montrer qui est qui. Oh, let's go, il est stun. Vent violent à 110 de puissance. Ouais, mais attaque vent contre un truc qui vole, c'est pas de la merde. Le combat, il va prendre 2 jours. Échoue souvent. On va tester, hein. Oh, waouh, ok, d'accord. Ok, nice. Je me rends pas compte s'il faut que je le monte ou pas. J'ai du mal à savoir qui est puissant et qui l'est pas, en fait, là. Vampirisme. Voulez-vous remplacer une capacité? Bah oui, hein. Grincement, ça dégage, les gars, on est d'accord? Ouais, ultrason, le truc, vas-y, je m'en branle. Je m'en servirai jamais, je pense. Pendant un combat, fais tourner tes Pokémon pour tous les faire XP. Je veux pas tous les faire XP, justement, là. Je veux XP que lui. Y'a pas d'autres... Y'a que cette herbe-là? Imagine, j'ai encore le même Pokémon. What the fuck? Bah attends, mais lui, vent violent, ça sert à rien, là. C'est un caillou. Il est niveau 2, en plus, je vais XP que dalle. Peut-être que je devrais me battre contre un dresseur, hein. What the fuck, je l'ai arraché. Moi, dans ma logique, c'est un caillou, il allait pas bouger. En fait, il y a un moment où la puissance de l'attaque dépasse la résistance de l'ennemi. Ok. Donc toujours worse de tabasser l'autre. Ok, ça marche. Et ouais, il a été tué par l'érosion naturelle. Mais mec, mais attendez, mais les gars, c'est improbable. Ou alors il y a tout le temps le même type dans les buissons, même en random. Genre en mode, vas-y, je sais pas, j'ai n'importe quoi. Il y a 5 Pokémon différents par buisson et voilà. Je sais pas comment ça marche, le random. Les gars, par contre, il est incroyable, mon Pokémon, là. Tu as quand même un nombre de Pokémon par zone. Ok, ok. Ah oui, d'accord, ouais, c'est... Ok, ok, je comprends mieux. Mais les gars, Bruiverne, c'est incroyable, par contre, hein. J'aime bien le Pokémon, moi. C'est pas level 20 max ici, mais c'est sur 2 Pokémon. Je suis prêt à arracher Croco. Je vais l'arracher, les gars. Je sens qu'il a eu de la chatte sur ses Pokémon. Je sais pas pourquoi. Je le sens. Tu dois avoir 7-8 Pokémon dans chaque zone. Ok, ok. De toute façon, je peux pas l'évoluer alors. Bah, je peux pas. C'est niveau 16 qu'il évolue. Et là, on est capé à niveau 20. Sur 2 Pokémon en cumulé. Après, je vais aller le soigner pour récupérer mes PC. Vampiriste, c'est un vol de vie, non? Ouais, ouais, ouais. Merde. Hello, oh merde. Cœur, point d'interrogation. Attends. Inverser un quart de comment ça va? Un quart de comment ça va, merci. Et là, faut une grosse charge derrière et après, on va soigner le Pokémon. Il a fait quoi? Lui, justement, je crois qu'il a fait vampirisme. J'ai pas eu le temps de voir, mais je pense que c'était ça l'attaque. Pokémon évolue gagne plus vite en puissance. C'est un Pokémon qu'on empêche d'évoluer, apprend plus vite les attaques. Donc, avec un Bruiverne level 14, il va scale à mort en puissance. De base, il évolue level 40. Ouais, bon à savoir ça. Hein. F-
faut juste que je tape avant parce que là je suis confus. Il faut pas que je me fasse tabasser non plus quoi. Ok, c'est bon, let's go, on va se soigner. Niveau 8. Moi je sais pas pourquoi dans ma mémoire de gamin, quand un Pokémon il montait de niveau, il était soigné. Mais je viens de penser à un truc contre Croco. Mais les gars, je donne des baies qui soignent mes Pokémon, comme ça pendant le combat ils seront soignés automatiquement. Et il va penser pouvoir me tuer, mais en fait non, il y aura des baies sur mes Pokémon. Oh là là, comment je suis smart. OMG, comment je suis smart. Ok, je sais plus combien il me manque de niveau sur mon truc. Pour qu'il soit niveau 10. Attends, on est d'accord, mon premier Pokémon il est niveau 10, il est pas niveau 9. Il est niveau 10, ouais. Ok. Merci beaucoup Savroli, merci pour les 2 mois. Après j'ai eu 2 baies et les 2 baies que j'ai eu, je sais pas à quoi elles correspondent les gars. Normalement plus ça va aller, plus je vais les arracher. Oh mec. Mais les gars, il fait hyper mal celui-là hein. Béoran, ouais mais je sais pas si j'ai. Je sais pas si je l'ai eu. Tout à l'heure j'ai eu 2 nouvelles baies mais je sais pas si c'est les bonnes, on verra. T'as eu 2 Béorans tout à l'heure, regarde. Croco avait l'air de dire... Ah, Croco, c'est interdit les B. Ok, vous... Enfin, je lui demanderai quand on sera en vocal. Mais du coup, ça gâche l'effet de surprise. Mais bon, s'il les a pas et que moi je les ai, c'est pourri, quoi. C'était quoi, ferme tes trucs, là? Ok, let's go. Son talent, ok, ouais, je me suis dit que ça a été écrit comme le truc qu'on a vu tout à l'heure. Niveau 9, allez, plus qu'un level, les gars, et je peux aller péter la gueule de Croco. Si un Pokémon, il meurt, et du coup, tu remplaces ton Pokémon, tu perds un tour de jeu ou pas? Quand ton nouveau Pokémon, il arrive, ou il joue direct? Fermeté, c'est un truc qui empêche de faire one shot, il garde forcément un PV, ok. Putain, ça veut dire que fermeté c'est exceptionnel en plus dans notre mode de jeu là. Si tu meurs, tu joues direct. Tu perds pas de tour. Ok, merci. Je suis niveau combien là? J'ai peur d'être monté niveau 10 sans faire gaffe. Merci Omelette, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Like a love. Ok, c'est bon. Je suis pas monté niveau 10. Merci beaucoup Omelette, hein, c'est adorable. Allez, on spam et après on peut dire à Croco qu'on est prêt. Bisous Ellie. Incroyable. Les Pokémon, ils ont forcément un talent ou pas? Genre là, il a un talent mon Pokémon? Oui, ok, je vais aller regarder ce qu'il a. Peut-être que le savoir stratégiquement, c'est cool. Tout le monde a un talent, c'est vrai ce que tu dis. Merde, putain, j'ai encore fait l'erreur. Pas le droit au B du coup. Oh merde, c'était... Pour une fois que j'étais intelligent, c'est râpé là. Ok, bah... Vous pouvez dire à Croco que je suis prêt, chat, si vous voulez. Une seule personne suffira. Fais voir un peu alors du coup les talents de mes Pokémon. Alors, Bruiverne, il a infiltration, traverse les barrières de l'ennemi pour l'attaquer. Mais attendez, mais c'est incroyable ça! Mais attendez, c'est trop fort, non? Bof, ça me paraît trop bien, moi, de pouvoir break def avec un perso.
et passe rouge empêche les attaques adverses de baisser la défense. Ça aussi c'est pas mal en vrai. Genre stratégiquement c'est pas dégueulasse. Et l'autre Pokémon que vous m'avez dit de nexter, ignore les changements de stade de l'ennemi. Ok. Ok, ok. Je suis prêt, j'espère que Croco il va être prêt. J'espère qu'il n'y a pas des Pokémon trop fumés lui. Je vois bien avoir des Pokémon tout fumés. J'appelle Croco. Il répond pas, c'est horrible. Tu peux montrer tes Pokémon, bien sûr. J'en ai que deux. Je vais me battre avec les deux là. Je dis pas à voix haute au cas où il arrive, Croco. Est-ce que je vais ranger l'autre? Ouais, je vais ranger l'autre au PC en attendant, non? En attendant, je mets l'autre au PC. Croco est prêt aussi, il va juste pisser. Je vais pisser aussi alors. Allô? 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 Ah, il est parti pisser aussi, ok. ok. Bon. Merci Brice Wayne pour les 31 mois, Raptor pour les 3 mois. Les gars, pas de spoil. Alors là, on va devoir faire un petit truc pour se trouver online. Je vais sauvegarder déjà. Je vais sauvegarder pour qu'il n'y ait pas d'embrouille. Ok, sauvegarde. Oui. Pas de spoil, les gars, pas de spoil. On va découvrir l'équipe de l'autre. Ensemble. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire d'autre? Je dois me connecter online, je crois. Je crois que je l'ai entendu, il arrive. Oh putain, mais il explose ses chiottes. J'espère qu'il est là. Re. Mazette, Arnaud a pas sauvegardé. Ah oui, c'est réel. Eh, hey, c'était un prank, j'étais là depuis le début. Mais non, mais arrête, il est hey. Trop fort. Oh, il m'a tellement eu. Ça va? Oui, ouais, ça va, ça va. Et toi? Ouais, ça va, ça va. Il y a eu des coups durs, mais le meilleur ça va. T'as dû recommencer aussi ou pas? Non. Ok. Et comment ça se fait que t'aies mis autant de temps? Oh, parce que je discutais. Enfin, j'ai pas speedrun, tu vois. Bah, même sans speedrun, c'est bizarre. Bah, je trouvais que... Bah, je sais pas. Toi, tu ouais. connais des astuces dans le jeu. T'es allé quelque part où je sais pas comment on y va non, et t'as non. chopé un Pokémon de fou. Non, non, mais j'ai un duel qui a pris déjà bien 15 minutes, hein, déjà. Rien qu'un seul duel. What? Contre, mais contre qui? c'est pas ton problème, ça. Ok. Contre un viewer? Non, non, contre un Pokémon sauvage. Oh, le bâtard. Il va me sortir une dinguerie. il faut qu'on se rappelle comment on se duel. Si je dis pas de conneries, on rejoint un salon random. Tu te rappelles? Ouais, mais c'est depuis autre chose, non? Ouais, c'est ça, en bas à droite, là. Cliquez pour trouver un salon. Ah oui, purée, oui, c'est ça. USA East Pokémon Server 1. Ok. Pokémon, t'as dit? Ouais, East, USA East Pokémon Omega Ruby Elfir Server 1. Ok, c'est bon. Et normalement, là, on peut choper une game du coup. Ok, je te vois dedans. Ok, faut juste que je me rappelle in-game comment. C'est le truc dégueulasse, c'est bon, j'ai trouvé. Ouais, jouer en ligne.
Search System. Je te dis si je te vois, attends. Je vais essayer de t'inviter. On est dans passant, ouais, c'est ça. Copain, passant. Moi, je me suis appelé Croco et toi, tu t'es appelé comment? Masculin, masculin, moi. Ok, c'est bon, je t'ai. Combat. Alors, règle. Attends, faut juste que je mette règle, tout est permis. Sans handicap, combat solo. Oh là là, c'est enfin le moment où je vais dérouiller Croco. Mesdames et messieurs, celui qui perd doit enlever un des deux Pokémon de son équipe. Laka, très important, rappelle-toi d'un truc. Oui. L'écran du dessus spoil les Pokémon de l'adverse. Ah oui. Il faut absolument qu'on mette quelque chose à la con. Dès maintenant. Ok, attends, juste d'abord, j'ai trois Pokémon dans mon équipe. Comment je fais pour en poser un au PC? Mais attends, mais t'es Silver 2 ou quoi? Bah tu vas dans ton PC et tu l'enlèves. Mais oui, mais sauf qu'il n'y a pas de PC dans le truc. Bah si, c'est dans le centre Pokémon. Bah oui, mais c'est ce que... Ah mais putain, ok. Moi de mémoire, c'était dans le coin à droite, ok. Maintenant, c'est sur le comptoir. My bad là-dessus. J'espère que t'es bien aidé par tes viewers parce que t'as l'air lourd. Mais toi, mais tu vas voir ce que je vais te faire, en fait. En fait, tu vas voir ce que je vais te faire. Là, t'ouvres ton claque-merde et tu vas voir ce qui va te tomber sur le coin de la gueule. Attends, j'ai un autre truc, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, attends, faut que je cache. Moi, je propose une musique de duel. Ça te va ou pas? Ouais, ouais, si tu veux, ouais. Je viens de spoil comme un connard, mais je pense que c'est un Pokémon que t'as mis dans ton PC, c'est bon. J'ai pas eu de chance, hein. Pourquoi tu regardes mon live? J'ai regardé tout au début quand les gens me disaient que tu galérais avec ta scène. Non, mais toi, t'es vraiment un gros connard. Non, mais je suis quasiment sûr que c'est celui que t'as mis dans ton. Ok, bah, j'espère. Ok. Qu'est-ce que je veux dire? Ok, musique Pokémon. Moi, je propose un petit Cynthia, je sais pas si tu connais. Non, je connais pas. Bah, tu vas vite découvrir ce que c'est un vrai duel. Mais attends, toi, t'as coupé la musique du jeu? Je vais la couper plus tard pour. Ok. La musique, là, je l'ai là. Je te la prépare. Ok, vas-y. Alors attends, tu me dis quand t'es prêt au niveau de tes Pokémon. Attends, je coupe juste la musique du jeu et après je suis là. Ouais, moi aussi, je vais couper la musique du jeu. Ah, mais si on coupe la musique du jeu, on coupe aussi la musique des attaques. Aïe. Ça sera sans musique de mon côté. C'est trop épique, les attaques. Quand on va entendre ton Pokémon mourir, faire comme ça avec mon attaque de fou, alors là, je veux pas me priver de ça. Ouais, je suis d'accord, mais dans les options, y'a pas moyen de voir. Non, je viens de regarder, y'a rien. Même dans les options du jeu? Y'a rien dans les options du jeu, ouais, justement. Ah. Ah ouais, c'est chiant, ça. Eh ouais. Ok, bon, bah tant pis. Pas de musique, alors. Bon, bah tant pis, tu vas te faire défoncer sans musique, mon croco. T'as un truc pour cacher l'écran du dessus? Ouais, attends, je dois cacher quand? Bah ça va être bientôt. Mais attends, mais en fait, je me rends compte que j'ai absolument rien, moi. Ok, c'est bon, je vois pas, moi. Ok, j'ai un petit croco, moi. Ok, je lance le duel. Attends, il faudra cliquer sur l'écran du dessus ou du dessous? Non, c'est en dessous, normalement, tout est en dessous. Ok. Vous proposez un combat solo à Linka. Sauvegarder. Est-ce que t'as reçu une demande? Non. T'es sûr que c'est pas sur l'écran du dessus? Vous invitez un passant à se battre. Masculin. T'as rien reçu là? Bah. Ah, mais si, mais là, regarde au-dessus peut-être. C'est peut-être au-dessus là. Non, y'a rien. Ah, quoi? Attends. Jouer en ligne, j'ai une notif. Ok, c'est bon. C'est bon. Attends, je cache. T'as caché toi? Oui, je suis en full cachette là. Ok, c'est bon, j'ai caché aussi. Les acceptez-vous les attends, règles? Apparemment, oui. Je suis pas soigné, attends. C'est important ça, les gars? Mais non, mais ça soigne automatiquement dans les duels, je crois. Sauvegarder la partie, oui. Merci, Chicken. 22 mois en OMG, ça fait beaucoup. Ok, là, on cache l'écran. Là, moi, j'ai mon écran du haut qui est totalement caché par ma peluche. Moi aussi, je vois rien par mon téléphone, mais bref. C'est petit un téléphone, hein! Mais connard, y a un truc qui existe, ça s'appelle la perspective, je sais pas si t'as déjà entendu parler. Genre, si tu mets le téléphone plus près de toi, bah en fait ça cache plus de trucs. Oui, mais j'ai peur que tu vois un petit bout quand même. T'inquiète, je verrai rien. T'as fait un bet dans ton chat aussi? Ouais. Le bet, les gars, on vous laisse encore 2 minutes dans le mien et après ça sera cut. Hein. Mais mec, je vais pas faire 2 minutes à porter mon téléphone comme un connard! Mais non, mais le temps d'avancer là, regarde là. Hein. Je mets l'équipe, je choisis les miens. Donc là, c'est le moment où je suis censé voir tes Pokémon, je crois. Mais je les vois pas du coup. Moi je change rien, je fais que le coma commence. Ah bah oui, je suis con, mais j'ai rien à faire. Ah mais y'a des musiques en dessous. Putain, mais peut-être qu'il y a musique 1, 2, 3, 4. Je clique, j'en peux plus, j'ai mal au bras. Vas-y, moi aussi j'ai trop mal au bras. Ah, veuillez choisir les Pokémon que vous inscrivez. Ah bah il faut bien le faire quand même. C'est là, attention, regarde pas en haut hein. Je regarde pas. C'est maintenant. J'inscris. T'as bien respecté la règle hein. Ouais, 2 Pokémon et le cumul des niveaux niveau 20. J'ai mal au bras. Ok. Sauvegarde en cours, il y a écrit quoi? Communication en cours. Allez, c'est bon pour moi. Mon chat a l'air pas bien là.
Mon chat, parce que mon chat voit du coup. C'est bizarre, il crie un peu mon chat. Mais comment on commence? C'est bon. C'est parti. Croco, j'enlève mon téléphone. Vas-y, c'est parti. Croco, tu prêt à te dérouiller? C'est parti, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qu'il a comme Pokémon? Je sens qu'il va sortir une dinguerie. C'est quoi ça? Briverne. Wow. Voilà, Briverne, allez, on va lui montrer. Mais j'ai le même, mais il est tout petit. Ah, t'as pris deux Pokémon level 10? Ok, ok. C'est ma stratégie. Quoi? Il se passe quoi? Ça a planté? Mais non, mais Croco, j'étais trop hype. Mais oui, bah moi aussi, mais bon. On relance? Bah oui, on relance. Bah oui, on relance. Attends, normalement, on est dans copain maintenant. Y'a pas besoin de se rechercher. Vas-y, je relance vite. Mais regarde pas le deuxième Pokémon, hein. Ouais, ouais. Vas-y, vite. Je t'invite. Ah, tu m'invites? Je t'invite. Ok, je cache le truc. Moi aussi. J'ai mal au bras. Faut vite accepter, monsieur. Bah ouais, j'ai fait déjà, ça sauvegarde. Tiens, c'est long. Allez. Qu'est-ce qui s'est passé, bordel? Je sais pas, Croco. Je sais pas, mais je vais te montrer qui est qui, là. Avec, avec ta sauterelle de merde, là. Tout le combat commence. Ok, je choisis les Pokémon, mes couilles, là. T'as un Pokémon niveau 13, par contre, il va me péter la gueule, je pense. Ah là 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 là. Ouais, mais c'est pas sûr, mais... Effectivement. Du coup, toi, t'as 2-10. T'as joué l'équilibre, parfait. C'est-à-dire que tes deux Pokémon sont aussi stylés. Ça, c'est un peu effrayant, du coup. C'est parti? Ah, et je peux te dire Ouais, je te dis rien, Ça part là, je peux regarder ou pas, Croco? Ouais, mais j'espère juste que ça a pas bugué quoi, je me chie un peu dessus là. Non, c'est bon, ça va le faire. Ça va le faire. Ça a l'air de laguer, hein, ça me fait peur. Non. Rappelle-toi, on a réussi à en faire un, y a pas de raison que ça marche pas. On avait pas planté en plus? Non. Ah bon? Non, je t'avais défoncé. Non, mais avant. Je sais plus, mec. Ok, je peux attaquer moi. Moi aussi. Croco? Oui? Que le combat commence! Oh putain! Allez, casse-toi avec ta sauterelle! Casse-toi! C'est quoi le nom de l'attaque? J'ai pas vu! Gonex! Je te dirai pas! Là, il va me sortir une dinguerie! Je sens qu'il va me sortir une dinguerie! Mais c'est quoi ce truc? Il est tout petit! Oh, par pitié, qu'il décolle loin! Non! Oh non, mon dieu, c'est un tank de fou! Oh non! Non, la chatte! Bah alors, on est tout confus! Bah alors, mon petit doudou! Yes! Oh non! Wesh! On peut se soigner, Croco, ou pas? Non, mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Tu t'es cru. Ok. Attends, faut que j'affiche. Est-ce qu'en vrai... Pitié. Là, regarde bien ce que je vais faire. Je reprends toute ma vie. Hop. Quoi? Briverne. Non, mais ça... Attaque vampirisme. Mais t'as deux de cuit. Mais je connais pas les trucs, sale chien. Bah oui, bah là, y'a un problème, il va falloir se renseigner. Je suis plus confus, mec. Hein. Allez, celui-là, il dégage. Non, mais il est broken, ton tétard. C'est pas un tétard, c'est Galkid. Oh non, putain, il faisait 2 cm, je me suis fait avoir. Comme quoi, la taille ne compte pas. Bon, là, c'est FF, hein. Ah bon? T'as rien d'autre? Si, j'ai quelque chose d'autre. Ah mais mec, ah, mais t'es feu, t'as une attaque feu? Et ouais. Ok, c'est... Oh non. Non, j'en ai pas. Putain, j'en rêve la nuit. J'ai rien. J'ai que ça. Mais t'es mort. T'as deux oiseaux. Non. Mais il est broken, ton truc. Victoire. Il est broken. Mais là, t'as regardé les attaques sur internet. Ou pas? Mais me parle plus, toi. Laka, est-ce que tu as regardé les attaques sur internet? Comment ça, j'ai regardé les attaques sur internet? Il faut que tu regardes les attaques sur internet. Parce que si ça se trouve, ton truc là, regarde, je vais t'expliquer ce que je fais, moi. Parce que là, j'ai l'impression qu'il te manque une info là. Je t'envoie un lien. Le lien, ça permet de prendre n'importe quel Pokémon et de regarder quand c'est qu'il apprend quelle attaque.
Et par exemple, là, j'écris passe rouge. Hop, donc je regarde passe rouge. Je mets Ruby, Omega et Saphir Alpha. Et je regarde, je vais dans attaque. Et là, je vois qu'il apprend pic-pic level 10. Ah non, mais il apprend pas d'attaque feu. Ok, donc tu vas te faire foutre. Donc c'était de la merde, effectivement. Mais c'est broken ton truc là, espèce de cheater. En gros, imagine t'as un Pokémon. Moi, mon Tomb Rush, là, l'attaque que t'as pas aimé, je la prenais level 13. Du coup, j'ai fait exprès de le faire passer level 13 pour avoir l'opti d'avoir une super attaque, quitte à avoir un deuxième Pokémon qui puait la merde, tu vois. Ouais, t'es vraiment un gros bâtard, monsieur, connais des stratégies. C'est quoi ton site? Non, mais c'est juste possible, mais je viens de te l'envoyer. Ok, tu l'as envoyé où? Sur Discord. Je peux pas ouvrir les liens Discord, Croco. Tu peux l'envoyer sur Twitter? Oui, je peux t'envoyer sur Twitter. Retiens juste le truc, il faut absolument qu'à chaque nouveau Pokémon que tu captures, tu regardes le site, tu regardes un peu ses attaques. Juste, tu vois le lien que je t'ai envoyé là, c'est passe rouge. Attends, je sais pas s'il marche. Coucou. T'as reçu sur Twitter ou pas? Non. Ouais, c'est bizarre, ça me met un truc bizarre. Ah, c'est bon, je crois. Clique juste sur le site. Ouais, c'est bon, je suis dessus. Faut bien que. Regarde la, ta passe rouge là, faut bien que tu mettes version Ruby, Omega et Saphir Alpha. Ok? Ouais, ok, ok. Il y aura tout le temps à le mettre à chaque nouvelle Pokémon, à chaque fois que tu vas mettre un nouveau Pokémon. Okay. En gros, tu recherches le Pokémon que tu veux. Donc là, par exemple, ton deuxième Pokémon, c'était quoi déjà? Comment il s'appelait? Je sais plus comment il s'appelle. Comment il s'appelle mon premier Pokémon, les gars? Ouais, donnez juste le nom que je lui montre. Ils seront dans mon chat, attends, je suis. Bruiverne! Ok, Bruiverne. Donc t'écris Bruiverne. Ok, c'est bon, je l'ai. Bruiverne. Après Pokémon, Ruby, Omega, machin, mes couilles. Tu mets attaque ensuite. Et là, du coup, t'as Draco Shock. Donc là, En fait, t'as eu énormément d'attaques au début, là. Déjà. Parce que c'est une évolution, c'est normal. Mais level 5, t'avais Vampirisme, c'est de la merde. Ah ouais, t'as niveau. Tornade 11. Bah vois, pourquoi j'ai Tornade sur... Niveau 11, t'as Tornade. Mais je suis niveau 10. Bah oui, donc tu l'as pas. Bah, c'est pas le truc avec lequel je t'ai soulevé. C'est vent violent. Ah non, c'est vent violent, ouais, exact. Par contre, si tu regardes bien, t'avais une belle morsure à 62 puissance, level 13, et t'en as pas profité alors que ça aurait été peut-être plus intéressant d'avoir morsure, tu vois. Ah ouais. Donc fallait peut-être au petit, tu vois. Oh, le prochain affrontement, Croco, je te découpe. Mais ouais, j'espère qu'il y a des gens qui sont forts dans Pokémon dans ton chat pour au moins te dire, genre, les attaques physiques et les attaques spéciales et tout ça. Bah, c'est bon, maintenant j'ai le tableau, je vois. Ouais, mais sache qu'il y a des Pokémon qui attaquent en physique et d'autres en spécial, donc faut que tu te renseignes là-dessus. Ouais, je vais me renseigner. Ouais. T'enlèves quel Pokémon, j'aimerais savoir? Bah, le petit poussin de merde là. Hein. Ok, mais t'en as d'autres dans ta boîte PC, j'imagine. On ouais. est d'accord? Ouais. Ouais, ouais, comme moi, ouais, ok. Mais genre, enfin. Tu veux que je te spoil un truc? Vas-y. J'en ai pas beaucoup dans ma boîte PC parce que j'ai tué le premier que j'ai rencontré sans faire exprès, c'était un légendaire, voilà. Ah, mais moi aussi j'ai tué un légendaire. Oh! On a peut-être tué le même! Je sais pas, mais moi je lui ai envoyé 10 Pokéballs et j'ai pas réussi à le capturer. Moi je me suis dit, je vais grid un peu, bah j'aurais pas dû. Ah, ok, ok. Ok, vas-y, on se revoit. On se revoit quand? Niveau 40? Donc ça veut dire 40. 3 Pokémon, on est d'accord? 3 Pokémon niveau 40? Ça veut dire. Attends. Ça veut dire 13, 13, 14 en gros. Ok. Ok. Bon. Et cap max à combien? Cap max 15? 16? Genre non, le plus haut de la team, elle a le droit d'être level. Ouais. Bah, je sais pas, t'es en train de regarder tes attaques en même temps? Non, du tout. Ah non, je suis pas là non plus. 16, non? Je sais pas, ou 15. Parce que, attends, 40, ça veut dire 15, 10. Ça fait quoi, 25? Ah, y en a qui disent 16, 17 pour les Evo. En vrai, go 17. Ouais, c'est haut, hein. Bah, ça va. 17, non, bah, alors, tu peux faire 17. Non, regarde, écoute, 45. Ouais. Comme ça, on peut faire 15, 15, 15, ou 17, 15, 13. Ou... Et du coup, si on va aller chercher une Evo, on peut. Ok? Ok. Et cap max 18. Comme ça, on peut faire 18, 15, 12. Ok, ok, vas-y. Ok. Niveau 45 et level 18 max. Exactement. Le prochain affrontement. 3 Pokémon. 3 Pokémon. C'est d'accord. A tout de suite. Au revoir. Enfin, tout de suite. Mais... Bon, bien joué quand même. Bonne chance. Du coup, comment tu fais pour. Je crois que dans. Bah, je vais libérer, hein. Je vais faire clic. Ouais. Libérer, ouais. Passe rouge. Ah non. Ah, c'est dans le PC peut-être. Ouais, c'est dans le PC. Ok. Désolé. Mais je suis très content. Ciao. Au revoir. Vinté pour les boss d'attaque, ça reviendra plus tard, les gars. Putain, je dois déjà jeter un Pokémon, le bâtard. Juste, on peut pas faire 18, 18, 4, c'est genre 18 et 12 minimum, pas en dessous de 12, ok. Ok.
Parce que sinon tu peux faire des trucs. Ouais, on avait dit qu'on équilibrait de toute façon. Équilibré, exactement. Retirer des Pokémon, ranger dans la boîte. Mais les gars, comment je fais pour tâcher un Pokémon? Les gars, attendez. Est-ce que je dois relâcher maintenant? Ou genre je peux le faire évoluer et voir si je jette lui ou je jette l'autre? Relâche, il est mort a priori. Ouais, c'est vrai, c'est après le combat. C'est vrai. Je joue ou faire. Relâcher. Attends, mais non. Du coup, je vais retirer l'autre Pokémon. En gros, il évolue niveau 17 en Flamèche, à toi de voir. Les évolutions, elles sont aléatoires déjà, premièrement. Et deuxièmement, je peux pas faire ça parce que je dois le virer après le combat. Il me faut une nouvelle zone, les gars, pour... Putain, je suis dans la merde, là. Il me faut une nouvelle zone pour avoir un nouveau Pokémon d'urgence. Putain, son petit Pokémon tout pourri, il m'a défoncé la gueule. Je suis choqué, en vrai, de ce que j'ai pris dans la gueule, là. Il m'a coupé en deux, vraiment. C'est quoi ça? Il a pas des trucs à me dire, lui? Monsieur Marco. Pico d'amour, d'amour, je sais pas quoi. Je peux pas lui voler une canne à pêche? Oh, ça serait incroyable. Non, je peux pas. C'est un Pokémon de quel type, celui avec lequel il m'a défoncé la gueule, les gars, s'il vous plaît? Acier, ok. Et ça, acier roche, ça perd contre quoi, acier roche? Combat au feu sol. Au combat, ok. Ok, donc il me faut absolument un autre truc là pour lui défoncer son Pokémon de merde. Les gars, bah, priez pour moi, c'est maintenant. Faut prier là. Merci pour les 300 bits, Noah, merci mille fois. Et merci à Twitch qui m'a offert 30 bits en plus, du coup, en bonus. Merci. Les gars, c'est maintenant. S'il te plaît, s'il te plaît. Il est bien ou pas, les gars? Pas si mal, c'est nul. Vous avez... C'est deux poids deux mesures avec vous. Je peux lui en remettre une ou pas? Les gars? J'ai de sable. Déjà, tu sais que s'il a jeté de sable, c'est que c'est fini, là. Je pense que je peux lui en remettre une petite. Un petit vampirisme. Ça fait pas trop de dégâts, ça. Ok. Merci Pastèque, merci beaucoup. Merci pour les 200 de sub, merci mille fois. Ok, alors attends. Hop. Sac. Bol. Et on est parti. Hein. Le nouveau dans l'équipe. Mais je vais me faire déchirer par... Il me faut vraiment un Pokémon qui puisse... Oh non. Il me faut vraiment un Pokémon qui puisse se battre contre le Pokémon qui m'a sorti... Croco, hein. Il faisait trop mal, vraiment. On a tous cru au vampiriste tout à l'heure, c'était vraiment de la merde. C'est de votre faute. Non, c'est ma faute en vrai. Je me suis dit ça va me recon et tout. En fait, ça a fait deux dégâts. C'est de la merde. Bon, lui, du coup, il est nul contre le Pokémon de Croco déjà. Donc, il faut vraiment pas que ce soit lui qui. Genre, on va s'en foutre de lui, je pense, hein, les gars. Capidextre. Alors, attends, Capidextre. Je vais vous dire si c'est bien ou pas. Capidextre.
Non, Capidextre. Alors, Capidextre, les gars, en prochaine attaque, il est niveau combien là, mon Capidextre? J'ai pas vu, mais attendez, je vais vous dire. Niveau 8 et... Non, on s'en fout, relais, chatouille. Putain, c'est que de la merde. Ok, la prochaine attaque qui tape, niveau 22, météore. Donc j'ai pas le droit, et le cap c'est à 18. À 18, il a... Combo griffe. Qui peut toucher 5 fois. Attendez, combo griffe, c'est vraiment pas mal par contre. 18, c'est notre cap. C'est de la merde ou c'est à chier? Je m'investis pas avec, limite. C'est nul, ok. Donc je suis dans la merde. Donc je fais comment là, les gars? 2 à 5 fois, tu mets tout à la chance. Ouais, je sais bien. Faut surtout pas que je me batte avec un dresseur. Route 104. Attends, on est d'accord, je pouvais pas aller dans la forêt, les gars. Ok, petite Pokéball. Oui, je peux speedrun et capturer plein de Pokémon. Comment je change de zone, les gars, là? Fais l'histoire. Bah, je la connais pas, l'histoire. Bah, la forêt. Ah, mais je croyais que j'étais... Je croyais que j'étais bloqué dans la forêt, my bad. J'ai cru que je pouvais pas passer dans la forêt. Là je fuis en vrai, autant que je rush une autre zone et que j'essaie de m'investir sur un autre. Pokémon, on est d'accord? Je pense que oui, honnêtement. Ah ok, je peux aller à gauche, j'avais pas vu. Antipara. Jamais bon signe quand on te file ça. Hein. Putain, je suis dégoûté. Le premier Pokémon que j'ai eu, il était tout pourri. Le Pokémon qui m'a sorti, Croco, c'était tout à l'heure, c'était son starter. Les pros du jeu. Ouais, ok. Ok, ok. J'aime beaucoup ce Pokémon. Oh non. Oh non, je vais me faire attaquer. C'est quoi? C'est l'équivalent de la Team Rocket? Je t'avais tendu une embuscade à la sortie du bois, mais comme tu prends ton temps, je m'ennuie. Ras-le-bol d'attendre, alors me voilà. Donne ces papiers. C'est mort, casse-toi, je te protégerai. T'as sûr pour gagner, il faut que tu m'aides. Ok, c'est free. Team Magma. Bon, bah la Team Magma, regarde bien ce que je vais lui faire. Hein. Il a qu'un Pokémon déjà. Je vais le ridiculiser. Psystigri. Oh, il est mignon quand même. J'ai pas envie de le ridiculiser. Ouais, mais j'ai le scénario de fou. Allez, go, go, go. On lui détruit son truc. Allez, monte-lui à cette vermine. C'est du one-shot, ça, hein, je reconnais. Voilà, allez, hop. Salut, ça dégage. Battu le mec de la Team Magma. Il me file sa thune en plus. C'est un racket, hein. Parce que c'est pas très moral comme jeu Pokémon, c'est tu pètes la gueule des animaux et après tu braques la thune des gens que t'as battu. Tu l'as monté en l'air, bichette, bah, il a juste ce qu'il méritait. Tu mérites bien un petit quelque chose, tiens. Multi XP. C'est quoi ça? Merci Carlos pour les 300 bits, merci beaucoup. Contribution de l'année, mais c'est pas grand chose. Tu sais Carlos, si tout le monde faisait comme toi, ça serait grand chose, donc merci beaucoup pour le soutien, y a pas de petit soutien vraiment. Il suffit de l'activer, tous les Pokémon de ton équipe peuvent profiter de l'expérience récoltée en combat. Oh, ça je garde pour beaucoup plus tard. Il me sonne mes Pokémon. Merci Hellboy, merci beaucoup pour les 51 bonjour mois purée. Bonjour à tout le chat, encore un mois de plus. En espérant bien évidemment que ta petite famille se porte bien. Tout va bien, merci love. Beaucoup. Merci mille fois. Ok. Oh non.
Oh non, 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 non. Il faut vraiment que j'évite les combats de dresseurs, les gars, tant que j'ai pas les Pokémon que je veux. Parce que le problème, c'est que là, je vais les XP pour rien. Après, faut bien que j'avance. T'es tarte. Regardez, ça, c'est ce que j'aurais pu avoir. Ça, c'est ce que j'aurais pu avoir. C'est permanent une fois activé. What? Attends. Du coup, j'aurais plus besoin de me soucier de l'ordre des Pokémon dans mon équipe? Oui. Mais attendez, mais comment je vais faire pour gérer l'XP de mes persos? Tarte-moi le cul, mais comment ça, mon ref? Comment je vais faire, les gars, pour gérer le truc de... Ah, mais j'aurais dû faire une attaque plante. Le premier gun, deux fois plus que les autres. Ah, ok, tu peux activer ou désactiver. Ok, my bad. C'est quand même vraiment cool, ça, par contre. Si je veux refaire une compo. Mais je peux attaquer à un moment ou pas? Je vais dormir pendant combien d'années là, les gars? Ah, ça y est! C'est de la merde cette attaque. Hein. Vampirisme, c'est éclaté. Ok, ça va que lui il est pourri aussi. Moi je sais que le premier Pokémon prend plus d'XP, mais je pensais qu'avec le truc que vous avez dit, c'était pas le cas justement. Mais putain, c'est pas possible, l'enfer! Ça pour qu'il me tape à deux. Oh là là, il fait que dormir. Je vais utiliser tous mes PC en plus là. Mimi. Mais putain, mais réveille-toi! Quel enfer! Se réveille, s'il te plaît. One shot, pitié. Oh oui. Oh oui, bordel. Laissez-moi partir d'ici très vite. Niveau 11, ok. Va prendre tornade. Oh que oui. Oublie une capacité. J'enlève quoi? Ultrason ou vampirisme, les gars? Ultrason en vrai, non? Après, rendre confus, c'est fort, mais bon, faut que ça passe, quoi. Je dégage vampirisme. Bonsoir, mon quoique, bout des îles paradisiaques du merci, Koopa, merci beaucoup. Étincelle, étincelle, wow. Étincelle. Merci, tonton. Cœur qui grandit, cœur qui grandit, cœur qui grandit. Bonsoir. Je vous fais confiance, Alénique. J'étais pas là au livre d'hier. T'as kiffé le mode Lego Fortnite, t'as qu'à le Minecraft en... En vrai, ça va, c'était pas mal le mode, le mode Lego Fortnite. Ok, allez, laissez-moi partir d'ici. De l'huile. Je vais pouvoir m'enduire d'huile. Ok, alors attends. Ça, c'est bon. Ça, il faut coupe. Ok. Hop, 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 la team magma. Équipe d'exploitation des Clémentiville, au rapport. Capitaine, j'ai une triste nouvelle. La mission est un échec. Nous avons rencontré un élément gênant. Je comprends. Reçu 5 sur 5. Nous reprenons la recherche de cette aînée. C'est moi, les gars. Je sens que ça va vouloir me tuer. Ils veulent me faire. C'est un dresseur intéressant. Il n'y a pas à dire. Eh ouais, c'est moi. Ok, alors attendez. Déjà, les baies. D'urgence. C'est quoi, c'est un fleuriste, ça? Intéressant, le fleuriste, ou c'est de la merde, les gars? Pille, je le pille. T'as raison. Ok, est-ce que là, je suis dans une nouvelle zone? Ou c'est le même endroit? Oh non, route 104, c'est la route où on était, en fait.
Oh non, non, non! Je veux juste pas me battre, pitié! Je sens qu'il y a quelqu'un qui va me sortir une dinguerie. Les gars, ça fait peur, hein. Deux Pokémon déjà, catastrophe. C'est vipère. Donc lui, il faut que je monte niveau 18 max et après je le range. Mais je sais même pas si c'est mon meilleur Pokémon à monter ou pas. Fais voir Tornade. Pas mal en vrai. Est-ce que c'est le meilleur Pokémon que j'ai à monter, Bruivern, ou on attend la prochaine zone pour voir? Parce que le truc, c'est que là, si je le monte au-dessus de niveau 13, ça peut être dangereux si après j'ai des Pokémon vraiment mieux. À prioriser, tu vois. Je vais essayer de pas aller au-dessus du niveau 13 avec, dans un premier temps. Pour voir si j'arrive à avoir mieux ou pas. T'as allé voir les attaques qui récupèrent. La prochaine attaque bien, elle est niveau 21 de mon perso, là. Je crois, hein. Attends. Ah non, c'est... Je confonds. Attends, Bruivern, prochaine attaque bien. Prochaine attaque bien de Bruivern. Niveau 16, il a cruel. Et niveau 13, il a morsure. Et les deux ont 60 de puissance. Donc vraiment pas mal. Et il y en a une, c'est vol physique, et l'autre, c'est ténèbres physique. Donc c'est deux attaques cool. Niveau 18, il est vraiment cool, celui-là. Merci, Sissi, merci beaucoup. Mais attends, mais pourquoi... Pourquoi mes Pokémon, ils XP, là? Alors qu'ils ont pas été au combat. Ça XP dans tous les cas, en gros. Même si j'ai pas activé le truc que le mec m'a donné. Trop cool. Bisous, Meru. Multi-XP. Ok, mais je savais pas que c'était actif d'office. Je pensais qu'il fallait que je l'active moi, en gros. Ok, nice. Ok, j'ai pas coupe, donc je peux rien faire. Oh non, 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 non! On s'en sortira jamais, les gars. Deux Pokémon à la fois. Ça veut dire que moi aussi, j'aurai deux Pokémon. Ok, Bruivern, chasse sourire, go! Vent violent, ça doit tout taper tout le monde. J'y crois. Ah non. Échauffe sourire. Choc mental. Sur le marque à crin, vas-y, je sais pas, je connais pas les attaques et les types encore. Ok, c'est un one shot qui est proposé. Au revoir le petit poisson déjà. Chauve sourire, dis-lui. Niveau 11, hop, il prend un petit buff avant de lui péter la gueule, parfait. Capidex qui se fait carry. Et le choc mental qui sort. Regardez bien. Ok, tac. Ok, c'est pas si terrible. Je pense qu'il est one shot et voilà, on n'en parle plus, on se barre d'ici. J'ai juste envie d'avoir le prochain Pokémon que j'ai. Allez, pitié. C'est maintenant. J'ai envie d'y croire. Merci la pété. Robit JFR BGF Berkin Skill Kiet Goué ou Fidj Krek Jeff DVNR in BK Jet JKI JR 300 GZ FY Elifr Girn BNF KG BGR KG GH Chef Bike Gri Gri Grai Tiger GH BF BJ. C'est vrai, hein. JR. C'est vrai. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir de malade. Attends, est-ce que le pêcheur il m'offrirait pas une canne à pêche? Oh là là, regardez bien le plot twist. T'as jamais entendu parler de moi? Si. Oh non. Oh, il a trois Pokémon. Allez, dégage, rembarre-toi. Avec ton putois de merde. Il est violent le mot putois un peu. Va prendre morsure. Voulez remplacer capacité morsure. Oublie une capacité. Ultrason. Allez, hop. Bon voyage. Ok, on enchaîne, les gars. Voulez-vous changer de Pokémon? Non. Oh que non.
C'est une fouine, pas un putois. C'est pas grave, ça me fait le même effet. Merci, petite lave, merci beaucoup pour les 10 mois. Allez, s'il te plaît, que des one-shots, on en parle plus, je me casse. J'avoue, j'aurais pu virer charge, mais c'est pas grave, on s'en fout. J'utilise pas de sort stratégique, de toute façon, pour le moment, c'est que du bourrin là. Quand nos Pokémon ils auront 8000 HP, ouais, mais là niveau 10 et tout, le but c'est juste de taper fort. Chauve-souris niveau 12, apprend assurance, ok. Continuer sans changer. Par pitié, une attaque, on n'en parle plus, ça dégage. Chapignon, hop. Et après je me casse. Il veut pas m'offrir une canne à pêche là? Les gars, en vrai, mon Pokémon il est vraiment fort lui hein. J'aime bien. Niveau 14, faut plus que je le joue. Il faut plus que je joue. Attends, niveau 45, ça me laisse stop. Attends, prochain match, niveau 45, les gars. Ça veut dire que je peux avoir des Pokémon de quel level? Sachant que le niveau max, c'est 18. 18 et 18, 36. Ah non, c'est pas bon, je peux pas faire ça comme 18, 15, 12. Vous pensez que c'est quoi la meilleure répartition, les gars? Ben, en fait, j'attends de voir ce que c'est mon prochain Pokémon. Pour voir sur lequel je m'investis. 18, 18, 9, non, y a pas le droit, faut garder un équilibre. Je pense que 18, 15, 12, c'est un bon call, honnêtement. Mais je vais voir, ouais, je vais voir les Pokémon que j'ai, après je vais regarder les attaques qu'ils ont. Et je ferai en fonction. Mirouville, ok. J'ai pas compris pourquoi il se limite en niveau. C'est pour que les affrontements ils soient égaux avec Croco. Oh, stylé la ville! La vache! Merci Lolo! Merci pour le Prime! Ok, donc là il me parle de l'arène, ok. Semble un peu plus de Pokémon, ensuite je chancerai ma chance moi aussi. Bonne route, à plus. Là niveau Pokéball, je pense que je suis bien. Je vais quand même regarder ce qu'ils vendent. Ça se trouve, il y a des nouveaux types de Pokéball, même si je pense pas déjà. Ok, je vais racheter des Pokéballs. Ok, je soigne mes Pokémon et je vais vite dans la nouvelle zone pour essayer de capturer un Pokémon. Et là, faut vraiment espérer que j'ai un bon truc, les gars, parce que pour le moment, ça vole pas haut. Et après, ça sera la fin de ma première session sur le jeu. Vous kiffez les gars ou pas? Perso j'adore. J'aime vraiment le concept. Là je peux aller à droite. Ah non, c'est au-dessus. À droite j'ai une nouvelle zone et en haut j'ai une nouvelle zone. Donc deux nouveaux Pokémon potentiels. Route 116, ok. Là on est d'accord, je n'ai jamais eu de Pokémon route 116, chat. Allez, s'il vous plaît. C'est maintenant, les gars. Première évolution de bulle bizarre, les gars, en air bizarre, c'est niveau combien? C'est niveau 16, non? De mémoire, c'était 16. Je pense que je lui mets une attaque, je le tue. Je pense que si je lui mets une attaque, je le tue. Je vais sortir Capidextre et je vais lui mettre juste une petite claque. Go juste Pokéball, je pense que ça va être dur au début. D'après moi, je peux lui caler genre une griffe, je peux. Les gars, je vais pas le tuer en étant niveau 10. Si, attends, vous avez raison, vous avez raison. Je teste une Pokéball. Honor Ball, allez hop, la première, ça passe direct. J'y crois.
Étonnement, mais étonnement, c'est... Pourquoi vous voulez faire étonnement, les gars? Je fais 5 Pokéballs comme ça et je vois, chat. Moi, je pense qu'une griffe, c'est bon aussi. Étonne-le, je vais le surprendre. Oh, bâtard! J'y ai cru de ouf. Il a baissé ton attaque, je ne prends pas de risque. Allez. Putain! C'est ce Pokémon, les gars, ça commence à faire peur. Hein. Croco demande de désactiver le multi XP. Ok, ok. Let's go. Ok, ça c'est magnifique par contre. Là c'est vraiment vraiment cool. Alors attendez, je vais regarder les attaques niveau 16. Je vais regarder les attaques niveau 16 de Bulbizarre, je vais vous dire. Ruby Omega Saphir, attaque. Les gars, niveau 15, il a attaque Bélier, c'est broken. C'est 90 de puissance. Et Trancherbe niveau 19, j'aurais pas le droit. Par contre, le Bélier à 90 de puissance, c'est incroyable, non? Je pense que c'est vraiment fort. Oui, mais ça te fait des dégâts, Bélier. Ouais, mais tu vois, sur la fin, pour finir un... pour tabasser un de ces Pokémon, ça peut être pas mal, je pense. Bélier nul. Mais pour tabasser en dernière minute, c'est pas mal, vous pensez? Genre, pour finir, monte le 15, mais pas 16. Pourquoi vous voulez pas que je fasse évoluer, les gars? Oh non. Pourquoi vous voulez pas le faire évoluer, chat? Ah oui, si je l'évolue, c'est random. Exact. Mais alors, attendez. Si Bulbizarre, on prend pas son évolution. J'avoue, j'avais pas pensé à ce truc. Si Bulbizarre, on le fait pas évoluer. Il est quand même bien, le Pokémon, ou... Moi, je pense que ça pue la merde, du coup, non? Parce que ma seule attaque plante qui est cool, elle vient niveau 37. Sinon j'ai une attaque plante avant, mais c'est Fouelian et c'est niveau 9. Moi j'aurais peut-être tenté l'Evo justement. Empêche juste l'évolution, t'auras un Bulbizarre niveau 37. Mais moi je pense que j'aurais tenté le clutch, les gars. Je pense que j'aurais tenté de le monter niveau 16 et voir ce que j'ai en évolution. Parce que avant ça, ça sert à rien. Du coup, ça me fait un Pokémon de type plante, tout ce qu'il y a de plus basique, quoi, s'il n'y a pas d'évolution, de toute façon. Je sais pas ce que vous en dites, hein. Mais je trouve. Tentez-les-vous, vas-y, on joue piment, voilà. Ok, par contre, il faut que j'enlève le multi-XP, du coup, j'ai pas pu vu que je me suis fait attaquer. Je sais pas trop comment on fait, je vais fouiller, ça devrait être simple. Et il faut que je mette en premier un autre Pokémon que celui que j'ai là, surtout. Genre, il faut que je mette Bulbizarre en premier. Ok, et multi-XP, où est-ce que c'est? Ok, multi-XP désactivé. Ok, c'est bon, chat. Ok, je vais essayer de voir si j'ai une nouvelle zone de l'autre côté. Genre au-dessus, là. Accessible. Si c'est le cas, ça me fait une autre... Ok, ça me fait une autre capture, les gars. On est en route 115. J'ai le droit à une capture en plus. Faut juste qu'il y ait des herbes. Il n'y a pas d'herbes. Oh non. Oh non. On peut pas capturer. Oh non. Donc là, je peux... En fait, si... Il me faut une canne à pêche, mais j'en ai pas.
Est-ce qu'on peut déjà attraper une canne à pêche? Je regarde partout mais y'a rien. Est-ce que je peux déjà avoir une canne à pêche ou pas les gars? Grotte si tu continues dans la zone d'avant. Ok alors attends, ça m'intéresse. Quelle heure il est? Faut que je fasse gaffe à l'heure. Oh putain, j'y suis allé en diagonale, quel con! Si j'ai une attaque plante, je le défonce là. Ça fait pas de dégâts, c'est sûr. Quoi les gars? Moi je pense que j'ai que Bruverne qui peut gagner la bagarre là. Vampigraine fort contre les Pokémon défensifs, ok ok. C'est bien, vous allez m'apprendre comme ça. C'est bien le choc mental ou pas? Ou tornade les gars, je fais quoi? J'y fais au pif. Je vais découvrir comme ça, hein, je sais plus. Ok, il fait pas de dégâts, j'ai de la chance. Tornade, ok merci, je vais faire après du coup. La vache c'est long, il veut pas attaquer? Oh non, bah il fait peur. Je vais pas attaquer, c'est sûr. Si, c'est bon. J'ai cru que j'allais être en mode inquiet et que j'allais plus vouloir jouer. C'est vrai qu'il est pas très fort, mais j'ai pas d'attaque avec Bubizarre. Après, de toute façon, Bubizarre il est en premier donc il va prendre l'XP là. Oh non, j'ai mis clic. Putain. Et Vampigraine, ça le tue hein. Hop là. Voilà, c'est Bubizarre qui l'a tué, il était même plus là tellement il est fort mon Bubizarre. Et Bubizarre, faut up là. Faut up beaucoup. Bubizarre, en vrai, je suis un peu hype. Fouillian. On prend direct ça, Fouillian, par contre, c'est notre seule attaque plante. L'Inca a la trouille, il ne peut plus attaquer, c'est vraiment sans plus. Continue sans changer. Oh non. En fait, il me faudrait un peu tous les types. Plante, ça craint quoi parmi ce que j'ai, les gars? Choc mental ou tornade? Je sens que choc mental, ça va le traumatiser. Voilà, je lui fais un choc mental. Tornade. Et merde. Oh! Je l'ai défoncé, les gars. Vol contre plante. Ok, merci. Oh là 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 là! Mais il est trop fort en fait mon Pokémon! Un Aspico, continuez sans changer. Chauve-souris, il veut pas évoluer, il est toujours pas heureux là? Aspico, bah je sais pas, je fais vol, je sais pas du tout ce que ça craint. Vous me raconterez comme ça. Tornade encore, ok. Merci. Ok, j'ai tué tout le monde, c'est bon. Je vais pouvoir ramasser au moins la truc. Allez, dégage le scout et donne-moi ta thune. Putain, ça les fait fuir du coup. Je suis obligé de me battre. Oh,
Ok, je suis pas obligé de me battre. Oh, what the fuck. Mais c'est bizarre que Croco, il ait pas les mêmes Pokémon que moi, alors qu'en vrai, ça tombe... On dirait que ça tombe tout le temps. Enfin, que c'est tout le temps les mêmes. Je suis con, j'ai fait une attaque plante sur un Pokémon plante. Le combat, il va durer 12 jours. Vous avez pas la même seed? Ah, ok. Tu peux pas aller fuir les combats là? Si, si, je peux, mais il faut que j'XP mon Bulbizarre, donc autant en profiter. Ok, mec, je parle à personne. Ah, j'ai pas le sort qu'il faut. Attends, je lui parle au cas où il me dit, tiens, je suis un guerrier, mais tiens, prends une canne à pêche. Ok, les gars, je peux capturer quelque chose là. Ok, allez, s'il vous plaît, le jeu, s'il vous plaît. On est d'accord, là, je peux capturer, chat. Oui, ok. C'est ma dernière chance d'avoir un bon Pokémon. Ça évolue quel level, les gars? Ça, je sens que c'est un truc qui peut évoluer rapide. Évoluer en 2 secondes. Évoluer avec du bonheur. Oh non, putain, j'en peux plus. Des Pokémon bonheur, ça, c'est horrible. Au bonheur, mais évolue vite normalement. Ok, dites-moi, il y a une technique, les gars, pour le la faire... Ouh là, non, surtout pas. Pour le faire évoluer rapidement. Ouais, ouais, évolution aléatoire, les gars. Ok, en vrai, les gars, s'il évolue tout de suite et qu'il me donne une dinguerie, ça va, hein. Plan de poison, ok, bon. Si tu le captures pas, tu peux pas générer un autre Pokémon. Non, tu dois capturer le premier Pokémon que tu croises. Les gars, attendez, il y a une nouvelle route encore en bas, je crois. Ah non, on doit traverser la grotte pour y aller. Ok, chat, est-ce que... On va se taper la meuf de l'arène, là, ou le mec de l'arène? Je crois que c'est une meuf dans la première arène. Ou est-ce que on avance? Vous feriez quoi, vous? Attends, faut que je rende heureux mon Pokémon, là. L'arène, je pense. J'ai peur que ça me fasse trop XP. C'est quoi ce truc? C'est quoi ça, les gars? Cueillez des baies pour les Pokémon. Prêt? Oui, ça a l'air trop fun. Ah merde, il faut la baie de la couleur du truc. Et merde. My bad là-dessus. J'avais pas compris le jeu. Ils vont me détester du coup ou pas? Bah what? J'ai l'impression que du coup ils me détestent, les Pokémon. J'avais pas fait gaffe, les gars, c'est my bad. Regardez bien le pré-shot. Hop là. Oh merde. Oh
non, non, j'ai fait de la merde. Est-ce que là, mon Pokémon, il est le plus heureux de la Terre? Les gars, je vous jure, c'est impossible de faire évoluer un Pokémon. Vous avez gagné Profiterol. Trop bien, trop bien. Trop cool, arrêtez. C'est pas le bon bonheur. Non, vous foutez de ma gueule, les gars, là. Regardez, il est heureux. Non, mais là, il évolue, là. Tiens, j'ai gagné Profiterol. Mange, mon doudou. Ouais, j'ai vu l'heure, vous en faites pas, les gars. Là, les gars, s'il est pas content, je comprends rien. Là, franchement, il a l'air hyper heureux, là. Hop là! Sinon, j'ai fait la technique interdite hein, pour qu'il soit heureux, mais bon. J'ai eu branle le bourgeon. Allez, c'est bon. Ma décision est prise. Allez, profite, mon doudou. Là, c'est bon? Mon ref, si là, t'es pas heureux, je comprends plus rien. Vous avez bien joué avec Crossbouton? Oh, j'ai cru qu'il allait... Putain, j'ai cru qu'il allait évoluer. Voici un coussin vice, je m'en fous. Oh, les gars, je pensais que c'était l'évolution, là. Quand il est heureux, il faut lui prendre un level. Ok. Donc là, maintenant, je prends Crossbouton. Attendez, attendez. Et il up. Je sais pas si ça fait de mal ou pas. Aïe, 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 aïe. Ça craint quoi, ça, les gars? Il craint quoi, ce Pokémon, chat? Feu et vol. Je suis baisé, je suis obligé de jouer lui. Crain dur le rappeur. Je suis obligé les gars. Oh non, il évite l'attaque. Bah là c'est terrible hein. C'est terrible. Faut qu'il arrête d'esquiver tout. Hein. Le problème c'est que je vais up. Ok, Bulbizarre niveau 11. En vrai, le niveau 16, ça va aller loin. Hein. Ça va aller vite, pardon. Voulez-vous changer de Pokémon? Ouais. Je mets Crossbouton pour essayer de le faire XP. Ah non, c'est pas Crossbouton qu'il fallait que... Si, c'était Crossbouton. Faut juste pas qu'il meure. Je sens qu'il va mourir. Je sens qu'il va se faire one-shot Crossbouton, les gars. S'il te plaît, Netram. S'il te plaît. Juste une petite attaque de rien du tout. Mais pourquoi il a 7 HP, Crossbouton? Oh, il fait rugissement, j'ai trop de chance. Ouais, oh là là, sa mère, j'ai vraiment de la chance. J'avais pas vu qu'il avait plus de vie. Bisous, Clem. Je vais aller bouffer, moi. J'ai trop faim. J'ai pas de tornade, au moins il y a moins d'échecs. Oh là là, mon dieu. Mais les gars, je fais comment là? Il prend aucun dégât son bonhomme.
Pour info, t'as pas besoin d'attaquer pour prendre de l'XP, tu peux les changer directement. Je me suis dit, ça se trouve, il faut qu'il ait du bonheur, tu sais. Ça va lui donner du bonheur d'avoir joué. Je sais pas, j'y connais rien. Rose bouton. Les gars, si Rose bouton évolue, c'est incroyable. 2 levels Rose bouton. 3 levels Rose bouton, what the fuck. Rose bouton apprend parasport, ok. Les gars, là, il est forcément heureux, Rose bouton. C'est quoi la question, MatMat? Peut-être que je peux te renseigner du coup. Oh là là, imaginez, je serais tombé sur ça tout à l'heure. J'aurais été tellement dégoûté, les gars. Je suis en train de cuisiner un petit samoussa, moi. Oh, comment j'aime trop ça. C'est un cauchemar, c'est un cauchemar. En brillex, oh tellement stylé. C'est bien, il évolue level 11, non? On m'a dit qu'il évolue au bonheur. Attends. On m'a dit qu'il évolue au bonheur. Oui, bonheur, ok, ok. Oh non. Ok, Rose bouton, c'est bon, il est venu. Non, mais putain de merde. Ouais, je joue sur émulateur. Si oui, c'est quel ROM, s'il te plaît, car tu me donnes envie de le faire aussi. C'est quoi un ROM? Moi, c'est plus ça la question, en fait. C'est quoi un ROM? Le nom du truc qu'on utilise, en gros? Je sais pas si c'est ça la question. C'est en Italie. C'est Citra, ouais. C'est Citra. Si c'est ça un ROM, c'est Citra. Ok, lui ça dégage. J'espère juste que je peux aller soigner mes Pokémon sans avoir à me battre là. Putain, il a pas up l'autre. Ok, on peut aller soigner notre Pokémon. Et c'est la fin de ma session. Les gars, j'ai trop kiffé, ça m'a fait plaisir. Ça me donne envie de... Putain, j'espère qu'on pourra jouer vite. Je vais demander à Croco s'il rejoue demain. Merde, putain, je suis encore au mauvais endroit, quel con. Croco quasi prêt. Ah ouais, moi je suis pas prêt du tout de toute façon. Enfin, déjà je déco. Mais en plus de ça, je suis pas prêt du tout. Parce qu'il faut que je fasse up mon Pokémon et tout. Putain, j'aurais kiffé qu'il up l'autre. J'aurais vraiment kiffé. On commence à avoir une petite équipe en vrai là. Juste elle est nulle. Ouais, je cherche ta canne à pêche, je sais pas comment on fait encore. Mais je fouillerai la prochaine fois. Alors attends, il faut que je sauvegarde avant toute chose, parce que alors ça, sinon je vais regretter. Voulez-vous sauvegarder la partie? Oui. Et c'est bon. Équipe de sec pas balade, c'est la... Là, mon équipe, pour le moment, c'est la merde, mais... Les gars, ça va être incroyable. Chat. Merci d'avoir suivi le live. Je suis content que vous ayez kiffé. Croco appelle. Attends, j'y vais. Bonjour Croco. Oui, bonjour. Je m'apprêtais à vous appeler, monsieur. Ça marche. Dis, on refait quand même un duel avant que tu cutes. On peut, si tu veux, mais faut le faire genre maintenant. Mais le truc, moi j'ai pas encore atteint le palier. Hein. Moi je suis ready. S'il faudrait le faire maintenant, je suis ready. Putain, mais t'as déjà tes Pokémon up et tout? Bah en fait, j'ai eu de la merde, donc j'ai pas eu beaucoup de choses à faire. Ah. Bah moi je suis pas ready. Et bah dès que t'es ready, on fait duel et on cut après. Mais je peux pas, je cut moi. C'est 16h-20h moi, monsieur. Ouais, mais bah, t'es pas à 7 minutes près, non? Enfin, t'es pas à 10 minutes près. 10 minutes, non, mais ça va prendre plus que 10 minutes.
Ah ouais? Bah, on peut pas faire qu'un seul duel, mec, ça va être trop. Enfin, c'est trop lourd, genre. Bah, je suis d'accord avec toi, mais en fait, je rencontre un souci dans ma run. Du type, j'ai besoin de faire évoluer deux personnages. Et je te rappelle que j'ai dû virer un de mes Pokémon. Oui, ça c'est vrai, ça t'a ralenti sec, ça. Un petit peu, ouais. Ouais. Ah, donc t'as pas le temps de faire un deuxième duel, tu penses, là? Si, j'ai le temps de faire un deuxième duel, mais je suis pas prêt. Oui, bah non, mais je parle de manière prêt, quoi. Bah non, parce qu'il faudrait que je monte. J'ai un Pokémon à faire prendre. Je sais pas si c'est faisable. Même avec l'XP. Même avec vitesse de jeu. Mais en fait, le truc, c'est que si jamais je le fais. Et que l'évolution que j'ai me plaît pas, parce que moi je croyais qu'ils évoluent normalement, mais apparemment c'est random aussi. Ouais. Et ben je dois en évoluer un autre. Ah oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, en gros, ça dépend uniquement de... Ben, ça dépend de ce que j'ai sur l'up de celui que je suis en train de monter. Non, mais mec, après, avec la vitesse, tu speedrun, c'est moins de 1 minute pour prendre tous les levels. Hein. Genre là, toi, tu crois que je monte niveau... niveau, parce qu'il me faut le niveau 16 du coup sur l'autre, tu crois que je monte niveau 16 rapidement en faisant en booster? En vitesse boostée, ouais, ça va vite. Hein. Ouais, mais à ce point-là, je sais pas. Hein. Moi, j'ai ma femme qui m'attend avec mon enfant. Mais c'est vrai. Bah, comme tu veux, ou alors on fait ça demain. Ouais. Demain, tu joues de quelle heure à quelle heure? Bah, le but, c'est qu'on joue le plus possible. Moi, je suis en Yes Live, donc en vrai, on est quel jour demain? On est vendredi? Demain, on est vendredi. Bah, moi, en fait, je peux me la buter. Attends, je vais te dire. Ah ouais, parce que. Ok, bah, vas-y. Je vais te dire, parce que le truc, c'est que je te rappelle que t'as déplacé le rendez-vous deux fois. C'est vrai. Au cas où. Ça, j'avoue ça. Du coup, l'emploi du temps, le truc, c'est que moi, il a pas changé, quoi. Ok. Du coup, demain, je peux jouer jusqu'à 19h. Non, mais l'après-midi, c'est trop nul de streamer l'après-midi. J'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Je suis en nocturne demain avec Show. Ouais, mais 19h, c'est... Et par contre, samedi, dimanche, je peux streamer et je peux genre faire une nocturne, je peux jouer toute la journée s'il le faut. Ok, ok. Ok, bon, bah, ce qu'on fait alors, c'est que demain, on chill genre 16h, 19h, je ferai un truc le soir, tu vois. Ok. Et samedi, dimanche, on se la donne, ok? Ouais, ouais, j'ai pas le choix, je peux pas faire autrement. Si on avait fait comme on avait dit, j'aurais pu faire 3 jours de suite, mais là, je peux pas du coup. Et bah, demain, on fait petit stream et samedi, dimanche, on fait des gros lives où on avance vraiment beaucoup et on s'amuse. Okay, je suis chaud, on fait ça. Vas-y. Vas-y, okay, ça marche. Nickel. Eh ben, demain, dans ce cas, j'XP pas mon bonhomme alors là. Ouais, bah ouais, tu pourras le faire demain si tu veux. Ok. Un peu hors stream si tu veux le faire, si t'as juste à XP. Mais attends au moins les évolutions en stream, quoi. Ouais, mais de toute façon. Demain, on fait une rencontre. De toute façon, demain, il y a peu de temps, il y a pas le choix. Demain, j'ai que 3 heures où je peux faire du Pokémon. Je pense qu'on peut en flip 2 quand même si on commence par... Ce que tu peux faire, c'est hors stream, les monter genre un level en dessous de... De l'Evo? De les évolutions. Ouais, vas-y, je le ferai tout à l'heure. Tu vois ce que je veux dire? Je fais ça. Samedi, t'as les cartes, oublie pas. Ouais, j'oublie pas, mais les cartes, j'en ai pas pour toute la journée. C'est qu'un moment de la journée, genre. Ouais, mais ok, nickel. Donc ça va. Donc, mais samedi, je peux me la buter ou alors j'arrive après les cartes et je fais une full nocturne. Et dimanche, j'ai toute ma journée, par contre. Non mais oui, ça, mais c'est bien, c'est tant mieux, vaut mieux qu'on fasse les gros streams le samedi dimanche de toute façon. Donc dans tous les cas c'est bon. Vendredi c'est pas ouf. Ça me va, okay. On fait comme ça. Vas-y, ça marche. Vas-y, bah des bisous, puis à demain pour un petit live suite. Bisous Croco, et bisous à ta commu. Et allez tous chez Croco, j'ai coupé l'ordi où je peux raid. Je suis comme une merde. T'inquiète, c'est pas grave. Bisous mec. Bisous poulet, ciao. Et bisous chat, du coup, mais je peux pas savoir ce que vous me racontez. Donc j'imagine que vous me dites au revoir. Au revoir. À vous aussi. Et merci au Modo d'avoir modéré. Bisous.